Bonsoir. Merci d'être là. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de mon Berry. Il s'appelait Sylvain Robin, c'était en 1913, c'était un brioleux. C'était un gars qui encourageait les bœufs en leur chantant des chansons. Il faisait ça dans le temps dans le Berry. On encourageait les bœufs au travail en chantant des chansons. Si je vous parle de ça, c'est parce que je ne serais pas là, probablement ce soir, si je n'étais pas née dans le Berry. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. On est là où on doit naître. On est dans la famille où l'on doit naître. On est accompagné des gens qui doivent nous accompagner, même si quelquefois ça nous paraît injuste. Moi, je suis née dans le Berry parce que mes parents y sont arrivés quelques mois avant ma naissance. Terre de sorciers, terre de mystères. Je pense qu'elle a été déterminante dans les aventures qui me sont arrivées. Terre de silence aussi, de magie qui fait peur. Terre de ancestrale, de rites, de secrets. D'ailleurs, chez nous, les guérisseurs s'appellent les penseux de secrets. On pense le secret. Et on se transmet ça dans les campagnes. Et on va chez les guérisseurs pour se faire soigner, mais aussi pour jeter des sorts. C'est comme ça. Et ça existe toujours. Et ça existe encore. Et chaque jour, je n'ai pas un coup de fil qui ne me demande pas de lever un sort ou d'aller libérer un troupeau. Du mot fait, comme on dit là-bas. Le mot fait. Le diable. Il est là-bas, là-haut. Vous voyez, il se cache dans les étables chez nous. Pour Noël. Noël, partout, c'est la joie. C'est l'enfant Jésus qui naît. Chez nous, c'est le diable qui se cache dans les tables. C'est pour vous dire déjà que, quelque part, si je suis là, c'est parce que je viens de là-bas. Bien sûr, là-bas, c'est à quelques heures d'ici. Mais ça a été déterminant aussi dans ma culture. Parce que je pense qu'on est aussi le fruit de sa culture et que ce qu'on devient, même si c'est étrange parfois, même si ça ne correspond pas à ce que nous pensions être, c'est le fruit de ce que nous sommes. C'est la somme de ce que nous sommes. Alors, ce Berry que je porte ici avec moi ce soir et avec lequel je vais vous raconter un peu mon histoire et vous raconter aussi mes aventures, elles ne sont pas tristes, quelquefois elles le sont un peu. Elles sont surtout mystérieuses et aujourd'hui, quand je parle de ce qui m'arrive, quand je parle de ce que je fais, quand je parle de ce que je vis, même s'il y a beaucoup de joie, il y a toujours des grands questionnements, des grands mystères, comme dans les légendes fantastiques de ma terre. On ne s'habitue jamais au mystère. Tous les jours, tout ce que je vis reste un mystère. Et il y a des médiums qui me disent « Oh, ben c'est normal !» tout ce que vous vivez, c'est normal, c'est normal. Non, c'est jamais normal. C'est toujours un cadeau, quelque chose qui nous arrive d'ailleurs, quelque chose qu'il faut apprécier, qu'il faut savoir interpréter. Car on a l'impression de tout savoir, on ne sait rien. On n'interprète rien. On prend les choses avec des points d'interrogation. On ne sait même pas regarder les signes de notre vie. On ne sait même pas les découvrir, les apercevoir. Alors que tout est cadeau, tout est synchronicité, tout est écrit, tout est mystérieux parce que nous sommes des êtres vraiment mystérieux. Et c'est en cela que j'ai envie de témoigner ce soir. C'est parler de la mort qui n'existe pas, qui est juste une étape.
c'est parler de nous aussi. J'ai envie d'en parler, de nous aussi, parce que nous sommes là. Et que quand les gens meurent, nous les pleurons. C'est nous qui souffrons. Bien souvent, ils ne souffrent plus. Ils sont même dans la joie et dans le bonheur. Et nous, nous n'avons que les larmes pour nous exprimer. Et puis des deuils à porter sans cesse, sans pouvoir les surmonter. Alors, c'est peut-être un peu d'espoir que j'avais envie de vous apporter ce soir à travers mon témoignage. Une femme normale, je suis absolument normale, très ancrée. Je suis une paysanne, quelque part, je viens d'une terre de paysans. Je ne suis pas perchée, comme on dit. Je ne suis pas Madame Irma. Je ne suis pas une voyante. Je ne suis pas une médium non plus. Je ne reçois pas dans un cabinet de consultation avec des angelots en plâtre, des fumées d'encens. Ce n'est pas mon truc. Moi, je suis quelqu'un de la terre, parce que j'y suis tous les jours, parce que j'ai ma forêt, parce que j'ai mon Berry, parce que j'ai Georges Sand, qui est à côté de chez moi. Et Georges Sand, elle, elle a été mon inspiratrice pendant très longtemps. J'ai découvert aussi que ce n'était pas un hasard si j'étais née à quelques kilomètres de chez cette femme très décriée par ses amants, par sa vie un peu tumultueuse. Enfin, elle a fait des bons choix. Permettez-moi de vous dire qu'entre Chopin et Musset, elle avait fait quand même des choix qui allaient la porter à la postérité. Mais c'était une femme extrêmement spirituelle. Et j'ai découvert qu'à l'époque, de cette église catholique qui était étouffante hein, et qui était rigide, sa grand-mère, chez qui elle vivait, parce qu'elle vivait à Nohant, chez sa grand-mère, eh bien, sa grand-mère l'a envoyée dans un couvent pour parfaire son éducation. Et je découvre que dans ce couvent, elle ne va pas croire en Dieu, mais elle va être mystique. Elle le dit d'ailleurs, je ne crois pas en Dieu, mais je suis mystique. Elle est mystique, elle est attirée par cet au-delà qui l'appelle, qui l'interpelle. Alors elle se dit, je vais rentrer en couvent, je vais devenir carmélite, mais elle sentait que ce n'était pas son chemin. C'est en lisant sa biographie que j'ai compris que cette femme-là, elle avait tellement, tellement de choses à me dire qu'aujourd'hui, je vis à côté de chez elle et elle m'inspire en permanence. Voilà sa maison. Dans le jardin que vous voyez, elle avait planté une statue quand elle était petite. C'était le dieu Corambé, un dieu qu'elle avait inventé. Aucun dieu ne lui suffisait. Aucun dieu ne s'exprimait assez bien pour elle, ne lui parlait. Alors, elle avait inventé Corambé. Elle allait le voir et avec des prières, elle lui demandait de guérir les animaux malades. Elle lui apportait des petits oiseaux avec des pattes cassées, des ailes brisées. Et elle disait que quelques temps après, les oiseaux se remettaient bizarrement parce que Corambé, le dieu, inventait les soigner. Spiritualité, tout simplement. Elle fera tourner les tables bien plus tard. Et puis ce Corambé, un jour, sa grand-mère l'a découvert et elle dit, quand il fut découvert, eh bien, il n'avait plus aucun effet. Corambé ne servait plus à rien. Le secret était dévoilé. Et ce qu'il faut souvent, c'est le secret. Pour que ça fonctionne, il faut du secret. Le secret est essentiel. On ne peut pas tout expliquer. Je peux expliquer des choses, mais je ne peux pas tout expliquer. Ce qui m'est arrivé en 1995, je ne peux pas l'expliquer. Si on me dit, mais pourquoi ça vous est arrivé? Pourquoi un beau matin, enfin très tôt, puisqu'il est 1h du matin, vous êtes interpellée, je dors à côté de mon mari, je suis une femme ancrée dans ma vie quotidienne, je suis rationnelle, je travaille dans ma radio, je suis une petite bourgeoise de province qui n'attend rien d'autre que de se pavaner, de vivre tranquillement, qui a tout, qui vient d'avoir un enfant, alors qu'elle le souhaitait depuis 8 ans, et puis là, cette nuit-là, à 1h du matin, alors que je ne crois en rien, et surtout pas en tout cela, je suis réveillée par cette voix qui me dit « Prends un papier écrit, prends un papier écrit. » Cette voix, qui est une voix d'homme que j'entends et que je sais que c'est une voix qui n'est pas dans ma tête, c'est une voix qui vient d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, je vais écrire des choses étranges que je ne comprends pas, que je vais soumettre à un psychiatre et qui va me dire « Ce n'est pas de mon ressort, c'est sans doute de l'écriture automatique. » Cette écriture automatique qu'un certain Carpenter, au XIXe siècle, a dit qu'elle était un effet idéomoteur, c'était l'inconscient. Mais l'inconscient peut-il tout savoir? Peut-il prévoir? Peut-il donner des renseignements aussi précis? Des choses qu'on ne connaît pas, des choses que l'on va confirmer, même quelques années après. Peut-être, mais ça ne me suffit pas. Le rationalisme pur et dur et psychorigide ne me suffit plus, la science non plus. Et un jour,
mon beau-frère, le frère dont mon mari décède. Grand drame dans la famille, il décède tout simplement devant sa télévision. Il ne croyait en rien. Et moi, j'étais fort attristée, comme tout le monde. Et puis, cette nuit-là, juste avant son enterrement, je reçois en écriture automatique ce message. Ce message. Je veux l'adagio d'Albinoni avec la messe. Je n'avais pas l'adagio d'Albinoni à la maison. Je n'avais aucun CD. Et je dis à mon mari, ton frère veut l'adagio d'Albinoni. Mais pourquoi ? Quelle idée ! Tu es sûr que c'est lui ? Et il dit, ça occupera tout le monde une bonne messe. Et je reconnais évidemment son humour. Il était totalement incroyant, totalement anticlérical. Et donc, j'apprends quelques jours après, par un de ses amis, qu'il écoutait chez lui l'adagio d'Albinoni, qui n'en parlait à personne. C'était son morceau préféré. Voilà. Ce sont ses preuves. Ces preuves qui arrivent sans cesse, ces preuves qui viennent nous conforter, vous savez, ces preuves que l'on ressent comme étant justes. D'ailleurs, ce jour-là, pour vous donner cette anecdote, ce jour-là, le jour de son enterrement, je vais parler de lui, sa photo était posée sur le cercueil, et sans que rien ne puisse souffler par les portes de l'église, par quelconque courant d'air, la photo qui était inclinée de cette façon, au moment où je parle de lui, va tomber du cercueil, provoquant un « ah » dans l'église. Tous ces signes-là ne sont pas des hasards. Il n'y a pas de hasard, il y en a très peu. La vie est tellement intelligente qu'elle ne permet pas au hasard de prendre les rênes. C'est elle qui guide, même si sa logique est parfois cruelle et parfois incompréhensible et que nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent et pourquoi elle nous guide de cette façon. Depuis 1995, j'ai continué d'évoluer. J'ai continué à recevoir des messages, plus en écriture automatique. L'écriture automatique était juste un passage. J'ai évolué là-dedans, bien que je ne l'ai pas demandé. Je ne demande pas à évoluer là-dedans, je ne l'ai jamais demandé. Maintenant un peu aussi, parce qu'au bout de 20 ans, je n'ai plus le choix. Le choix. Très bonne question, est-ce que j'avais le choix ? Alors je me suis posé souvent cette question, en disant si j'arrête tout maintenant, est-ce que je peux vivre en paix ? Est-ce que je peux vivre en paix ? Non, je ne peux pas vivre en paix. Car dès que j'arrête d'écouter, de pratiquer, de regarder les morts, de les entendre, eh bien, je tombe malade. En 48 heures, je suis au lit et je suis malade et je me dessèche littéralement. C'est incompréhensible, c'est ainsi. Comme si la vie me demandait de continuer ce chemin et d'être là pour répondre et d'être là pour assister et d'être là pour... peut-être communiquer, être un transmetteur. Le mot de médium ne me plaît pas. Je n'aime pas ce mot. Il est galvaudé, vous le savez comme moi. Aujourd'hui, tout le monde se dit médium. Depuis 2012, il y a la grande mode de la médiumnité. À peine quelqu'un sent un souffle dans le cou, il dit qu'il est médium. C'est absurde. Ce n'est pas ça, la médiumnité. Nous sommes tous des médiums. Nous sommes tous capables d'entendre des voix, de ressentir les défunts, de ressentir des choses qui nous dépassent. Mais être médium, tel qu'ils étaient au XIXe siècle, c'est tellement plus puissant. C'est tellement... plus exigeant, ça demande tellement plus de preuves, il nous faut des preuves. Or, ça n'arrive pas toute la journée, ça arrive de temps en temps, comme ça, n'importe où, n'importe quand, même si on n'est pas prêt. Ça arrive quand ça veut, il faut être là, je ne peux pas le commander. Si je suis en pleine forme et que je commande à un esprit de venir me parler, il ne viendra pas. Il demande juste que je sois là. Quand il en a besoin, et quand il en a besoin, c'est parce qu'il peut communiquer et que certaines circonstances sont réunies, des choses encore qui nous dépassent. Je commence à comprendre d'ailleurs qu'il s'agit de circonstances physiques, des ondes physiques. Et puis, au fur et à mesure des années, tout a évolué. J'ai beaucoup capté, j'ai beaucoup fait d'expériences, je vous en parlerai tout à l'heure. Et il y a eu cette expérience incroyable en 2013, cette expérience qui va me faire rencontrer
le docteur Lang. Le docteur Lang est quelqu'un qui est venu me contacter en 2013 pour vous montrer qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, que nous sommes tout le temps reliés à quelque chose d'autre qui évolue derrière nous et qui a besoin de s'exprimer. Nous sommes le 1er janvier 2013 et je suis chez moi en train de préparer le repas du 1er janvier quand tout à coup, je suis contactée en écriture automatique. Or, en 2013, je ne prends plus d'écriture automatique. Théoriquement, je n'en ai plus besoin. Ce jour-là, je suis contactée par un médecin en anglais qui me dit, « Chère madame, je m'appelle William Lang, je suis médecin. Je suis décédée il y a fort longtemps, en 1937. J'ai besoin de vos services. Accepteriez-vous d'être mon intermédiaire pour soigner ?» Comme je ne suis pas guérisseuse, comme je ne m'y entends pas du tout en médecine et que ça ne m'a pas vraiment intéressée jusque-là, je suis un peu sceptique. En écriture automatique, on le sait, on peut avoir aussi pas mal de trublions qui viennent tenter de chercher quelconque intérêt ou pouvoir exister d'une autre façon. Mais je trouve que cette façon d'arriver, l'état dans lequel je suis, parce qu'après, on commence à discerner en écriture automatique comment on se sent, on commence à discerner le vrai du faux. Je sens que c'est quelque chose de puissant et de vrai, mais je ne sais pas ce que ça veut dire et je suis extrêmement perturbée, donc je décide de l'oublier. Et le soir même, je téléphone à un ami et je lui raconte cette histoire en disant « J'ai été contactée par un défunt qui serait médecin, qui s'appellerait Lang et qui dirait avoir besoin de moi pour soigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Il me dit, tu as fait des recherches? J'ai dit, je ne sais pas faire des recherches. Un homme mort en 1937 n'est pas sur Internet. Je ne vois pas comment il pourrait y être. Cet ami va se renseigner. Moi, je ne cherche pas. Lui cherche. Et il va trouver un site américain. À l'époque, il n'était pas sur les sites français, Lang. En parlant du docteur Lang, effectivement, qui travaillait à travers un médium qui s'appelait Chapman. Un médium qui est mort en 1986. Et apparemment, ce docteur Lang travaillerait avec des médiums et me demande si je serais intéressée pour faire partie de ces médiums pour essayer de guérir à travers lui. Ça me paraît incroyable. Comment peut-on guérir à travers quelqu'un quand on est mort? Qu'on puisse s'inspirer de bonnes âmes, de saints ou je ne sais quoi, je veux bien. Mais comment peut-on soigner avec un mort? Ça me dérange beaucoup à l'époque. Et il revient en écriture automatique 3 jours après. Et il me dit, avez-vous pensé à ma proposition? C'est un petit peu comme dans la vie où quelqu'un vient vous voir en disant, vous avez réfléchi à ma proposition, ça vous intéresse? Donc je trouve ça très curieux. Je dis, mais comment peut-on faire? Comment feriez-vous? Il me dit, vous n'avez pas à penser, vous avez juste à être intermédiaire. Juste à être un intermédiaire. Je ne vous demande rien d'autre, pas de diagnostic, pas d'état d'âme, pas de pensée. Vous êtes là, vous êtes intermédiaire. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Pourquoi pas? Après tout, je dis oui. Si l'occasion se présente, en espérant vraiment que ça ne se présentera pas, car je ne voulais pas rentrer dans ce système, qui est un système qui va se révéler pour moi très douloureux, et je vais vous expliquer pourquoi. Quelques jours après, mon frère malade vient me voir. Il avait une inflammation musculaire assez puissante, due à un virus de la grippe qui avait un peu muté. Il était très très malade, sous corticoïdes, il ne pouvait plus marcher. Et il me dit, je ne sais pas ce que j'ai, je vais sans doute me faire hospitaliser, on ne trouve pas ce que j'ai, c'est un virus qui apparemment me pose problème. Et là, j'entends Lang qui me dit, c'est pour nous. Mais comment vais-je devoir dire ça à mon frère? Enfin, je ne vais pas dire à mon frère, excuse-moi, mais il y a un monsieur qui est mort en 37, il me dit qu'il va pouvoir guérir tes muscles. C'est pas possible. Surtout que déjà, ma médiumnité, vous savez, dans ma famille, ça a été pris avec énormément de pincettes, car je ne suis pas issue d'un milieu très crédule là-dessus. Et je lui dis, mais voilà, je t'explique ce qui m'arrive. Et lui me regarde, et il me dit, non, je t'en supplie, pas ça. Pas ça, pas toi. Non, 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 non. On oublie ça, je vais rentrer me reposer. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as à perdre? Et ça, c'est la... C'est vraiment le raisonnement. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre si tu essaies? Donc il me dit, d'accord, vas-y, alors qu'est-ce que je fais? Mais je ne savais pas quoi lui dire, parce que je n'avais jamais essayé moi-même, et je ne savais pas ce qu'il devait faire. Donc je reste à l'écoute.
Et je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, rien, attendez, tenez-vous à distance de 50 cm et attendez que ça se passe. Et là, je sens à l'intérieur de moi une force qui arrive, mais vraiment, qui arrive à l'intérieur. Je me sens à l'intérieur de moi, j'essaie d'expliquer parce que ce n'est pas très simple, plaqué sur le côté, comme si je n'avais plus mon mot à dire, et quelqu'un d'autre qui est là et qui agit. Qui agit à 50 cm du corps, en prenant, c'est là que ça devient très très complexe à comprendre, des matériaux que je vois du matériel, mais je ne sais pas le définir, je ne sais pas en quoi c'est, et je vois l'angle qui fait apparaître tout à coup, à travers le corps éthérique de mon frère, une espèce d'anatomie, je vois ses muscles, je vois sa colonne vertébrale, et je suis ébahie, parce que ce n'est pas explicable ce que je vois. Je vois que le docteur Lang prend des petites choses qu'il met entre les vertèbres et puis il va faire tout un tas de pratiques médicales. Moi, je ne peux plus parler, je n'ai plus voix au chapitre, je suis juste de la matière psychique, de l'énergie. Mon frère s'endort immédiatement, il va s'endormir profondément, comme quand on est anesthésié. Il se réveille une heure plus tard. Son épouse le raccompagne, il ne sait pas quoi dire, il est comme shooté. Et le lendemain matin, alors qu'il était malade depuis 3 semaines, il m'appelle à 8h en me disant « Tu sais, je n'ai plus rien. Je suis partie retravailler, je suis en pleine forme, je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Et moi, je lui dis « Mais c'est incroyable !» Il me dit « Oui, j'ai pensé que ça pouvait être le Doliprane que j'ai pris avant de dormir. » Parce que quand on est... sceptique, on l'est jusqu'au bout. Aujourd'hui, il l'est beaucoup moins parce qu'il a eu d'autres preuves. Mais pour vous dire que cette chose-là m'a troublée, parce que le danger, c'est que quand ça vous arrive, vous êtes pris dans une espèce de frénésie, vous voulez soigner tout le monde. Tout ce qui passe, le chien, le chat, tout le monde. Allez, docteur Lang, venez. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, ce docteur Lang que je vois, qui est un vieux monsieur, que les médiums qui travaillent avec lui voient, que Chapman a vu pendant 30 ans, il a travaillé avec lui pendant 30 ans, est un vieux monsieur qui est extrêmement aimable, mais qui est extrêmement exigeant également. Il travaille avec une équipe de l'autre côté, et je lui dis, mais quel est votre intérêt à guérir les vivants, vous qui êtes morts, dans une dimension où on ne souffre plus? Et il me dit, puisque nous sommes tous reliés, comme dans l'extrait que vous venez de voir, il n'y a pas de temps. Nous pouvons vivre des vies pendant des années reliées les uns aux autres, dans une dimension et dans une autre. Puisque nous sommes tous reliés, si nous trouvons la manière de soigner le corps matériel, alors nous aussi nous pourrons évoluer. Parce que si vous évoluez, plus vous évoluez, plus nous évoluons. Plus vous trouvez, plus nous trouvons. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il y avait une totale interaction. Et que soigner, c'était bien sûr pour guérir. Guérir, c'est un vrai bonheur, tout dépend de ce qu'on fait de la guérison, mais c'est un vrai bonheur de ne plus souffrir. Mais chaque guérison, qu'elle soit psychique, spirituelle ou physique, c'est aussi une élévation de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est une découverte incroyable, parce que je ne voyais pas du tout l'intérêt pour des morts de guérir des vivants. Maintenant, je comprends qu'un vivant qui guérit, pas forcément du corps, mais aussi de l'esprit, c'est un défunt qui s'élève ou qui avance. Et ça, c'est une trouvaille absolument magnifique. Le monde change, mais pas seulement dans la société. Ça, vous le savez déjà. Ça s'est alourdi, hein ? On en bave. Le moral descend. Le corps fatigue. Le sommeil devient rare. Le stress est partout. La violence est à son comble. Vous allez dire, quelle société ? C'est pas seulement la société. Cette société-là, elle change parce que le monde change, la Terre change. Et ce changement physique de la Terre influe évidemment sur notre comportement. Nous sommes en train de basculer dans une nouvelle ère. Vous savez, on disait, ah, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Eh bien, pour aller jusqu'à la spiritualité, il va falloir changer. Et pour changer, il faut en baver un tout petit peu. Parce qu'on n'est pas prêt à la spiritualité. Vous l'avez peut-être noté d'ailleurs, le monde n'est pas encore prêt à ça. On dit oui, les consciences s'ouvrent. Elles s'ouvrent, mais tout petit peu. Elles s'ouvrent pour certaines choses, pas pour d'autres. Or aujourd'hui, ce que nous vivons,
ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous ouvrir beaucoup plus. C'est d'être beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Et ne pas le vivre comme une fatalité, car on a l'impression qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah, il faut en baver, c'est une fatalité ». Non, 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 la fatalité, elle n'existe pas dans ce sens-là. On en bave quand on fait de la résistance au changement. On en bave quand on essaie de serrer les dents. Or, le monde, il vous demande juste de vous laisser aller au changement, de vous laisser porter, de ne plus essayer de raisonner, de vous agripper aux oripeaux du passé. Ce monde nouveau, il est là parce que la Terre, elle, depuis quelques trentaines d'années, une trentaine d'années, a commencé à changer vraiment et à changer de densité. C'est pas moi qui le dis. C'est un homme qui s'appelle Winfried Otto Schumann. Il est mort en 1974, un physicien. Il avait trouvé un drôle de truc, Winfried Otto Schumann. Il avait dit, et les gens disaient, il est fou. On était en pleine période flower power, et on était loin de penser que ce qu'il disait était vrai. Il disait, la densité terrestre est en train d'augmenter bizarrement. La densité terrestre, la vibration terrestre augmente. C'est étrange. Elle n'a jamais autant augmenté depuis des siècles. Il est en train de se passer quelque chose. Plus elle augmente, plus les champs magnétiques se raréfient. On parle même maintenant du pôle magnétique qui doit s'inverser. Mais quel est l'effet sur nous ? Accélération du temps. Accélération du temps. Alors, Schumann ne l'a pas inventé, l'accélération du temps. C'est une chose que nous vivons chaque jour. Pourquoi nous sommes pris en sandwich entre nos vies que nous vivons comme avant, mais qui ne correspondent plus à nos vies d'avant, nos heures de travail que nous effectuons comme avant, mais qui deviennent extrêmement difficiles. Nous faisons les mêmes choses et pourtant nous ne parvenons plus à les faire. On dit, je ne comprends pas. J'en faisais 3 fois plus en moins de temps et maintenant, j'ai plus de temps pratiquement et je n'arrive plus à le faire. C'est que je suis fatiguée. Non, le temps s'accélère matériellement. Matériellement. Schumann l'a trouvé. Schumann l'a trouvé. Les physiciens vous diront, c'est pas vrai, c'est pas prouvé, mais non, si c'est vrai, le temps s'accélère. Et vous savez que c'est la base de tous nos maux actuels, cette accélération du temps, parce que c'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai, tout va plus vite, on a moins de temps. Quand je regarde, tout à l'heure, on parlait de George Sand, quand je regarde le journal de George Sand, ce qu'elle faisait en une journée, en une journée, elle se levait le matin, elle écrivait, elle allait à la chasse aux papillons, elle faisait un herbier, elle partait rencontrer des amis, elle avait une réunion politique. Bon, elle faisait ce que nous faisons en 3 jours. C'est plus possible. Le temps a changé. Ça va plus vite. Et nous souffrons parce que nous continuons à vivre de la même façon. Donc c'est compliqué. Parce qu'on souffre, on stresse, on est pris dans un étau, on ne dort plus. Puis c'est réveil la nuit, 3h, 5h. Ça vous arrive aussi ? Réveil à 3h ou réveil à 5h ? On dort comme ça, par fraction. Tout ça, c'est lié à ce que disait Schumann. C'est lié à la densité terrestre qui s'accentue, qui vibre plus fort, champ magnétique. Tout est bouleversé. Tout est bouleversé physiquement. Ça entraîne évidemment un changement climatique. Fin de cycle terrestre. Et nous sommes là. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes, bah beaucoup d'humains. Nous sommes sur Terre depuis pas très très longtemps, nous les humains. Mais il n'y a pas beaucoup d'humains qui étaient là pour nous raconter ce qui s'est passé à la fin du premier cycle. Il y avait des dinosaures, mais ils ne sont pas restés longtemps. Alors il faut tenir. Alors vous allez me dire, mais comment on fait quand on n'a pas le moral, quand on n'a plus envie de sortir, quand on a peur, quand en plus on a des problèmes au travail, quand on perd son travail, quand on a en plus des deuils, des maladies orphelines. Est-ce que vous avez vu le nombre de maladies orphelines ? Les maladies auto-immunes qui naissent, des maladies non diagnostiquées pour l'instant. On ne connaît même pas, on ne sait même pas d'où elles sortent. Provoquées par ce stress, provoquées par ce brassage. Comment en sortir ? Il y a des petits choix à faire, il y a des petits trucs. Comme le monde change et que nous devons changer, on va commencer par changer nos habitudes, changer nos priorités, les priorités. On va lâcher ce qui n'est pas essentiel. Ça commence.
On lâche ce qui n'est pas essentiel, on va à l'essentiel. Dans une journée, puisque je ne peux pas tout faire, je vais choisir ce que j'ai envie de faire. Ce qui est important, je vais privilégier ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Je vais privilégier les choses qui sont nécessaires et indispensables à ma vie, puis tout le reste, je laisse tomber. Vous savez, ces impressions de ne plus avoir envie de voir les amis, quelquefois on se dit, tiens, bizarrement, on n'a plus grand-chose à se dire, mais c'est brutal. Ou bien, on n'a plus envie de voir certains membres de sa famille, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui me disent, je suis dans un changement total, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne me reconnais plus. Tout bascule. C'est le changement, ce fameux changement dont on parle, ben oui. Comme on ne change pas tout seul, le monde nous pousse à changer. Et comme on résiste, on est malheureux. Le changement, ça commence, je ne veux pas de la politique, le changement c'est maintenant, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Ça, on les connaît, ceux-là. Le changement, ça commence par déjà s'écouter, mais pas avoir peur de s'écouter. Quand je dis n'ayez pas peur de la vie, c'est parce que je sais que vous avez peur de vivre, enfin vous, nous, tous. On a peur se lever le matin, comment va se dérouler ma journée, je vais aller travailler, mes collègues, oh là là, mon patron, ouf, mes impôts, aïe. On a peur tout le temps, on est toujours en apnée, parce qu'on résiste, parce qu'on se dit j'ai pas le choix, mais on a le choix de le vivre autrement. On a le choix de le vivre autrement et de l'accepter autrement. Et ça ne change rien. Mais on se met une telle pression qu'on en tombe malade. Le fameux burn-out, qui n'a jamais été autant d'actualité que maintenant. Vous connaissez, vous, des grands-pères et des grands-mères qui ont eu des burn-out, vous ? Non, moi non plus. Pourtant, je vous assure que mes grands-parents, ils en ont bavé. Hein. Guerre 14, exode, tout. Mais il n'y avait pas de burn-out. Parce qu'il n'y avait pas cette histoire de temps. Il m'a fait peur, lui. Il n'y avait pas cette histoire de temps. Il n'y avait pas cette histoire de pression. Alors, si je vous en parle, c'est parce que nous sommes directement avertis de tout cela. Nous le ressentons. Ce n'est pas parce qu'on l'invente, on le ressent. Et puis, j'en ai eu confirmation. Tout ça m'est arrivé en 2008. J'ai été extrêmement bouleversée par tous ces symptômes. Ce stress, les oreilles qui bourdonnent, les yeux qui se voilent, les vertiges, l'impression, les phobies, on a l'impression d'avoir des phobies, on a l'impression d'un seul coup des pertes de goût, on n'aime plus les mêmes choses, on change complètement et c'est très paniquant parce qu'on ne se reconnaît plus, alors donc on met ça sur le dos de la maladie. C'est pas toujours de la maladie, c'est pas du burn-out, c'est juste un changement, il faut juste l'accepter, il faut juste pas paniquer, on ne panique pas, on accepte ce qui arrive. Et puis le burn-out, c'est d'essayer de ne pas rattraper ce qu'on ne peut pas rattraper dans une journée. Quand on a atteint son quota, on arrête là. On ne va pas plus loin. On sait qu'on doit s'arrêter là. Quiconque, pour quelle que soit la cause, on ne va pas plus loin. On ne fait pas plus que ce qu'on peut faire. Parce que ce qui est important, c'est vous. C'est ce que vous êtes. C'est pourquoi vous êtes venus sur Terre. Vous êtes tous venus ici avec quelque chose à y faire. Vous êtes tous venus ici parce que vous avez quelque chose à montrer, parce que vous êtes indispensable. Vous êtes indispensable. Il faut bien vous le dire. Vous avez choisi de venir parce que vous faites partie du grand plan de ce monde et que vous êtes là pour aimer, pour détester, pour réaimer. Notre vie est faite comme ça. Donc, ce changement, ce n'est absolument pas de la légende, c'est vrai. Et l'au-delà en parle, les messages en parlent, en disant qu'il y a un changement d'air. Ce qui va venir sera différent. Je ne dis pas que ce sera mieux. Je ne dis pas que les générations qui ont connu des années heureuses, des années insouciantes, le passé c'est toujours plus sympa, souvent plus sympa, pas toujours, mais souvent, vont s'y retrouver. La première chose qui va disparaître dans les générations à venir, c'est très étrange que je vais vous dire, moi ça m'a beaucoup perturbée de le savoir, c'est l'émotion. Le sentiment va se renforcer, le sentiment, mais l'émotion va disparaître. Et le sentiment sera plus fort que l'émotion. C'est lui qui guidera la vie. Remarquez, les nouvelles générations nous le montrent déjà. Il y a moins d'émotions chez les jeunes, il y a plus de sentiments. Plus de détermination dans le sentiment. Donc on va vers un monde qui va être beaucoup plus tourné. Évidemment, sur le monde des machines, des robots, on va
Eh oui, on va devoir passer par là. L'intelligence artificielle va faire partie de demain, mais elle ne va pas supplanter l'homme. L'homme va avoir une autre fonction. Il va ressentir, mais peut-être d'une autre façon, et s'ouvrir d'une autre façon. Et c'est peut-être pas plus mal. Parce que l'ouverture qu'il y aura vers l'au-delà, et même à travers l'intelligence artificielle, qui je pense sera un coup de main incroyable pour pouvoir communiquer avec d'autres dimensions, va être un espoir aussi. Ça sera différent. Mieux, je ne sais pas, mais différent. On rentre dans un monde qui va être, qui n'aura rien de commun avec celui que l'on quitte, ce qui nous rend triste, ce qui vous rend triste. Aujourd'hui, autrefois, un deuil était terrible, mais je ne sais pas si vous avez noté que nos grands-mères, nos grands-parents réussissaient malgré tout à aller de l'avant. Il y avait quelque chose qui se remettait en marche. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je vois les personnes endeuillées qui viennent me voir, qui ne parviennent plus en me disant « Mais qu'est-ce qui me reste ?» C'est terrible. Qu'est-ce qui me reste ? S'il est parti, qu'est-ce qui me reste à moi maintenant ? Je n'ai plus rien. Le monde est horrible. Non. Sachez que tout est un plan. Ceux qui partent nous laissent parce qu'on a quelque chose encore à faire ici et que nous devons dépasser l'état dans lequel ils nous laissent. La tristesse, c'est un état normal. Le deuil est une chose très dure. Perdre un enfant, c'est abominable. Perdre des gens, et je vous en parle en connaissance du cause, perdre des gens de la famille, j'en ai perdu tellement que enterrer devenait pratiquement ma seconde activité pendant quelques années. C'est incroyable. Et ne croyez pas qu'en étant médium, je communique tous les jours avec mes défunts. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas dire tous les jours « salut ». Si, moi, j'y pense tous les jours. Mais je ne peux pas communiquer. Par exemple, mon mari qui est mort en 2010, pendant un an, j'ai communiqué avec lui parce qu'il avait des soucis pour partir, pour quitter cette terre, parce qu'il était inquiet. Et je sais que maintenant, il est parti et il m'a averti qu'il partait loin, mais qu'il resterait toujours lié à moi, mais qu'on ne pourrait plus discuter. Là, ça devient dur. Pourquoi je ne peux plus discuter ? Parce que là où ils évoluent, tout simplement, c'est une autre intelligence, c'est une autre logique et c'est une autre sensation, tellement loin de la nôtre que revenir ici pour pouvoir remettre des mots, réacquérir le vocabulaire que nous avons, c'est une, comment vous dire, c'est un effort gigantesque et insupportable pour eux. Ils sont obligés de revenir et de retomber dans cette vibration qui est si basse. Donc il s'élève et il dit juste, je ne vais pas beaucoup communiquer, mais je suis avec toi et je le sens, et puis on se reverra. Quand tu viendras, on se reverra. À plus tard. C'est ça, en fait. À plus tard. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi ils meurent ? Pourquoi ils partent ? Ça sert à quoi de souffrir pour nous ? Bah oui, question, bonne question, ça sert à quoi ? Est-ce qu'il y a un sens ? Oui, il y a un sens. Théoriquement, oh, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont perdu des êtres aimés et qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais je peux vous le dire parce que je parle en connaissance de cause. Il y a un sens à tout. Pas à la douleur. La douleur n'est qu'un effet. La douleur n'est qu'une émotion. On peut s'en séparer assez vite. Il y a un sens à la direction que l'on peut donner à notre vie. Ceux qui partent donnent une direction à notre vie. On se rend compte, et vous avez certainement vécu cette chose-là, que quand on perd des gens que l'on a tellement aimés, lorsqu'ils ne sont plus là, on est obligé de regarder les choses autrement. On a le choix soit de se replier et de ne plus rien faire, et de se dessécher dans sa coquille, en pleurant jusqu'à la fin de sa vie, en disant « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». On a le choix aussi de vivre en disant « quel est le regard que je peux donner maintenant sur ce monde ?» Alors on a des colères, on a du dégoût, on a de la dépression, tout ça c'est normal. Il faut passer par toutes ces phases. Mais après, on a une autre vision du monde. C'est comme si on vivait le monde pour eux, à travers eux. C'est comme si eux avaient besoin, parce que tout est quelque part décidé avant, de partir pour que nous puissions nous réaliser et qu'eux-mêmes puissent se réaliser autrement. Et puis, quand je pose la question de l'autre côté, mais pourquoi ? À quoi ça sert de souffrir ? À quoi ça sert de mourir ? On me dit, mais quand on est, on sait bien qu'on va mourir un jour. C'est pas un scoop. Ça peut arriver n'importe quand. Et en être conscient à chaque seconde, c'est donner plus de relief à sa vie.
ce n'est pas vivre dans l'angoisse à chaque seconde, c'est de se dire, mon Dieu, comme c'est chouette, parce que ça peut s'arrêter. Ce que je vis avec vous ce soir, je dis, mon Dieu, comme c'est chouette, parce que c'est de passage, ça peut s'arrêter, mais c'est drôlement bien, ce que je ressens de vous. C'est ça, c'est l'instant, redonner du goût à l'instant, redonner de la saveur à notre vie, tout regarder avec d'autres yeux, et se dire, je suis née seule, je mourrai seule, mais toujours accompagnée. Je suis accompagnée ici, je serai accompagnée là-bas. Nous sommes seuls, toujours, mais nous sommes toujours accompagnés. Et ça, je n'arrêterai jamais de le dire. S'il y a une chose que je vous demande de croire, c'est que nous sommes toujours accompagnés et que la mort n'existe pas et que nous retrouvons toujours ce qu'on a aimé. Vous pouvez en être sûr. Je vous donne ma parole. On continue. On va parler des enfants. Les enfants et la médiumnité, les enfants et la sensation de la mort, les enfants et l'au-delà. C'est très curieux, mais les enfants sont tellement proches de l'au-delà. Ils sont tellement proches, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils touchent pratiquement l'autre dimension. Oh, ils n'en parlent pas toujours, parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes que c'est très différent. Ils ne savent pas que pour nous, il y a des abysses à franchir. Eux, ils sont tout prêts. Ils viennent de là et ils sont encore très très proches de là d'où ils viennent, les enfants. Et beaucoup d'enfants ont cette capacité de parler, de dialoguer avec l'au-delà, de voir les morts aussi, de voir les défunts, ce qui inquiète beaucoup les parents. Il n'y a rien de pire pour un enfant de dire à ses parents, « Tu sais, maman, cette nuit, j'ai vu quelqu'un traverser ma chambre et qui me fait du mal, ou quelqu'un qui m'a engueulé, ou quelqu'un qui est venu me faire donner une caresse sur la joue. » Mais oui, c'est ça, l'ami imaginaire. Il rêve, il fait des cauchemars, mon fils voit des choses dans sa chambre. Ben oui, bien sûr, il en voit parce qu'il y en a, tout simplement. Pourquoi il y en a ? Et parce qu'il y a, je vais peut-être vous faire peur, il y a des entités partout. Ne croyez pas que parce que vous ne les voyez pas, elles ne passent pas. Nous sommes entourés d'entités. Ce soir, il y en a autant que vous. Dans la rue, il y en a plein qui marchent. Mais on ne les voit pas, forcément. Donc, enfin, tout le monde ne les voit pas, donc on a l'impression qu'on est tout seul. On n'est jamais tout seul. Il y a des passages partout. Les enfants, eux, les voient. Et les entités, les défunts, sont quelquefois surpris d'être vus par les enfants. Ils se disent, tiens, c'est étrange. Ils me voient. Alors, j'ai beaucoup de parents qui viennent avec des petits. Moi, j'ai ce souvenir, évidemment, d'une petite fille. Cette petite fille qui vient avec sa maman me voir. Et la maman me dit, elle ne dort plus, elle parle toute la nuit avec un petit garçon de son imaginaire. Et je lui dis, ah bon ? Oui. Elle est assise sur son lit, elle lui parle. Et quand je viens, il n'y a personne, évidemment, et la petite fille continue de raconter sa vie au petit garçon. Et on découvre, quelques temps d'après, évidemment, en rencontrant la petite fille, que ce petit garçon... Alors, je vous raconte, parce que la petite fille est venue me voir, elle avait 3-4 ans, et je lui dis, comment s'appelle-t-il ? Et elle me dit, il s'appelle André Bloch. Donc je trouve que c'est curieux pour une petite fille d'inventer un nom comme celui-là, ce qui n'est pas un nom très moderne. Et je lui dis, mais pourquoi il vient dans ta chambre la nuit ? Elle me dit, parce qu'il dit que pendant la guerre, il dormait dans mon lit. Mais après, avec sa mamie, ils sont partis dans des camps. Comment une petite fille de 3 ans peut inventer une chose pareille ? Donc je dis à la maman... Sur votre maison, il y avait un homme, dit oui, ma maison, il y a eu des réfugiés pendant la guerre, c'est sûr. C'était à ma grand-mère, et effectivement. La petite les voyait. Le petit garçon revenait la nuit, et il venait lui parler. Et puis la petite a grandi, et à un moment, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté tout net. Parce que quand les enfants grandissent, ils ne voient plus. À partir de 6-7 ans, les enfants ne voient plus les entités. Parce qu'on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison, l'âge où on s'incarne. Eh bien oui! C'est l'âge où on s'incarne. Donc, on quitte le pays d'où l'on vient définitivement et on ne voit plus. Certains continuent de voir ou revoient beaucoup plus tard. Mais les enfants voient. Il faut juste les écouter. Il faut juste les rassurer. Il faut juste leur expliquer la mort. Ah, c'est vrai que dans notre pays, dans notre civilisation, c'est interdit de parler des morts. C'est interdit de les montrer. Ça ne se fait pas. On ne parle pas des morts. Un enfant ne doit pas voir un mort. Mon Dieu,
On ne doit même pas l'emmener à un enterrement. Et pourtant, c'est tellement naturel. Sans être lugubre, sans être pervers, c'est une chose naturelle. On a perdu le sens de la mort. Donc, on perd le sens de la vie. Si on n'explique pas à un enfant que ses grands-parents un jour vont partir, qu'ils vivent encore ailleurs, si on n'explique pas à un enfant qu'un jour on peut lui partir aussi, sans l'angoisser, parce qu'il n'est pas question de mettre de l'attention ou de la pression, c'est de lui montrer que tout est naturel et que depuis le début des temps et le début de l'humanité, on vit comme ça. Mais on semble éviter la chose parce que soi-même, nous-mêmes, nous n'avons pas été élevés de cette manière-là. Il est interdit de parler de la mort. Alors, on se trouve avec des enfants qui, tout à coup, sont dans des grandes détresses, sont perdus. On ne sait plus quoi leur dire. Ils angoissent, ils ne se remettent plus de ce qu'ils ont vécu, des traumatismes, des décès. Et on ne sait plus quoi trouver comme mot, alors on va voir des psys qui essaient d'expliquer avec des mots très rationnels, mais il manque, vous savez, le petit degré de en plus, parce que la mort reste un mystère. Et si on n'y met pas un tout petit peu de mystère, elle perd tout son sens. Elle n'a un sens que parce qu'elle est mystère. C'est très complexe. Mais il ne faut pas nier toutes ces choses-là aux enfants. Il faut leur expliquer simplement, simplement, que ça fait partie du cycle de la vie et que c'est des fins, ou qu'ils voient, ou qu'ils ressentent. Ils ressentent énormément. Les grands-parents, ils ressentent. Les petits-enfants ne sont pas malheureux. Ils n'y pensent pas, ils ressentent, ils vivent avec. C'est plus tard, quand ils ont perdu le sens de tout ça, qu'ils commencent à être comme nous, dans une espèce d'angoisse permanente, et qu'ils se disent comment je vais survivre au mien. Je préfère mourir que de survivre au mien. C'est un peu ça ce qui se passe. Donc on a beaucoup de choses à leur apprendre. On a beaucoup de choses à leur dire. Les enfants sont des médiums. Les petits-enfants sont des médiums. Ils ressentent tout. Ils voient tout. Ils voient bien plus que vous. Mais vous avez été comme eux. Et ce qui est étrange, c'est qu'à partir du moment où ils ne voient plus, ils ne se souviennent plus. Je vous raconte juste une petite anecdote. Mon fils, quand il était petit, était médium lui aussi, comme beaucoup d'enfants. Et un jour, on l'emmène pique-niquer avec sa petite classe de maternelle dans un bois. Les enfants étaient donc conviés à pique-niquer dans un bois. Et le soir, quand le bus est rentré, du pique-nique, que je vais l'attendre, et je vois mon petit garçon descendre du bus en larmes, défiguré de larmes. Et la maîtresse d'école me demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous parle absolument. » Il a refusé de s'asseoir. Il a refusé de s'asseoir là où on était. Il a hurlé. Et elle dit « Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des problèmes dans votre famille? Est-ce qu'il y a des soucis dans le couple ?» Enfin bref, les questions traditionnelles devant le comportement d'enfant un peu inquiétant. Et je lui dis absolument pas. Et je prends mon fils à part et je lui dis « Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. » Et il me dit « Parce que, tu sais, la maîtresse, elle a voulu me faire asseoir sous un arbre où il y avait un monsieur qui était pendu et il se balançait. Et moi, je ne voulais pas m'asseoir là parce qu'il y avait un monsieur qui était pendu et qui était mort à la branche d'arbre. Moi, je ne voulais pas manger en dessous. Je ne voulais pas. » Donc, le lendemain, je retourne voir l'institutrice. Et je lui dis, vous pouvez me dire où vous avez emmené les enfants hier? Et elle me dit, oui, vous savez, je vous passe le lieu-dit parce que, évidemment, ça ne vous dirait rien. Le bois des pendus. Et c'est effectivement un bois où, à la Révolution, on a pendu des gens. Et il se trouve que mon fils voyait l'un de ces personnages se balancer au bout d'une corde, pour vous dire. Aujourd'hui, quand je lui en parle, il n'a aucun souvenir. Parce que l'esprit a quelque chose de bien, c'est qu'il efface. Il efface. Donc vos enfants ne s'en souviennent plus. Vous-même, vous ne vous souvenez plus d'avoir vu les défunts. Quand je parle des défunts, je parle des vivants, des morts, et je parle aussi des animaux. Je fais juste une toute petite aparté avant de revenir aux enfants. Les animaux, vos animaux, eux aussi ont un au-delà. Eux aussi partent. Eux aussi sont près de vous, quelquefois reviennent dans la maison.
vous attendent, ils ont exactement le même cheminement que vos défunts. J'en dis parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où les animaux ont pris une importance considérable et ils le méritent bien. Ils ont une conscience. On les a fait tellement souffrir, on les fait encore tellement souffrir qu'il est temps peut-être de reconnaître que ce sont des petites âmes extrêmement conscientes, aimantes et qui comprennent tout. Et qui ont eux aussi une évolution différente de la nôtre, mais une évolution avec nous. Et je parle aussi bien des chiens de compagnie que des vaches qu'on abat dans les abattoirs. Donc ça remet beaucoup de choses en question. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui il y a tous ces films et toute cette prise de conscience que l'on voit. C'est parce qu'on est en train de progresser. Enfin, on va peut-être pouvoir considérer tous les êtres vivants de cette Terre à égalité. Parce que depuis que nous sommes arrivés sur Terre, nous les humains, on a fait pas mal de dégâts. Hein. Donc c'est vrai que tout ça, tous ces messages que j'ai sur les animaux, quand quelqu'un me dit « je suis passé de l'autre côté, j'ai retrouvé mon chien », un paysan me dit « j'ai retrouvé ma vache ». C'est arrivé. On retrouve tous les gens qu'on a aimés, tous ceux qui ont été, qui nous ont donné de la douceur et de l'amour. On les retrouve. Ça, je le sais. J'en ai tous les jours des témoignages et des choses que je ne peux pas savoir. Voilà. Donc les animaux, c'est important aussi. Il faut les tenir à l'esprit, leur donner des sépultures, les aimer et savoir qu'ils reviennent souvent nous rendre visite, eux aussi. Et que quelquefois, des petites énergies que l'on ressent, des présences peuvent être tout simplement l'animal de compagnie qui revient à la maison. Ça arrive. Je trouve ça très, très joli, d'ailleurs. Et puis, puisqu'on parlait des enfants, je voudrais vous présenter quelqu'un. On parlait des enfants tout à l'heure et des enfants et la mort. Les enfants qui ne savent pas comment gérer la mort, les ados, souvent, qui se suicident et qui vivent des périodes extrêmement compliquées, à l'adolescence surtout, où on refuse cette angoisse, l'angoisse des parents, l'angoisse de la vie, les ados qui refusent la mort des leurs aussi, quand ils ne sont pas bien accompagnés, qui ont envie de mourir pour retrouver les parents ou les frères. Et je voudrais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Blandine, que je ne connaissais pas avant d'arriver ce soir, mais qui est quelqu'un de très très bien et qui s'occupe des enfants justement, des enfants qui ont envie de mourir. Je trouve que c'est un beau métier, une belle occupation. Blandine, qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je me suis toujours occupée d'enfants et j'ai découvert que les enfants ont accès à des mondes bien plus facilement que les adultes quand ils sont dans le rationnel. Les enfants sont ouverts à beaucoup de choses et à travers leur vie, que ce soit des joies ou des épreuves, ils ont besoin de trouver des réponses. Et donc, je me suis intéressée pour aider les enfants qui étaient en difficulté scolaire, en difficulté familiale, en contact avec des décès de proches ou le handicap. Voilà. Oui. Et j'ai découvert que, pour moi, le meilleur moyen d'entrer en communication avec eux, c'était la médiation de la musique, parce que ça fait basculer déjà d'emblée dans un monde qui n'est pas archi-rationnel, qui n'est pas des explications ou des peurs, parce qu'on ne sait pas quoi répondre aux enfants. Et donc, voilà, je me consacre à ce travail-là. Et je vais vous présenter un mime qui montre des témoignages de séances qui se sont faites avec des enfants qui ont perdu un proche. Et avec les moyens que j'ai utilisés avec eux, donc c'est un peu comme un pot-pourri, avec des objets sonores et pour qu'ils expriment leurs émotions. Et vous allez voir à travers ce mime l'évolution et je ferai un petit commentaire à la fin. Bien sûr, on va regarder. Donc c'est un mime qui est fait par des enfants, c'est ça ? Oui, alors c'est pas plaqué, c'est un mime qui a émergé des séances sur plusieurs ateliers. Ils arrivent, ils sont en deuil, donc ils ont l'émotion de la tristesse, comme tout le monde peut imaginer. Et je leur propose des outils et ils en trouvent eux-mêmes. Je lance des pistes et là, c'est un résultat de travail collectif que je représente moi toute seule. Quoi. Bon, bah c'est très bien. C'était fait en groupe. C'est très bien. On va regarder, Blandine, et puis c'est important, la thérapie par rapport à ça. Quelquefois, on n'a pas beaucoup de réponses.
Alors Blandine, on a cru connaître donc d'abord le désespoir de l'enfant qui arrive, qui pleure. Tout ça, ça a été un travail d'enfant, c'est des enfants qui ont fait ça. Et puis, il sème ses petites graines, et puis il fait pousser, en fin de compte, c'est le renouveau quoi, qui pousse, en fait, c'est voilà. Je donne des pistes aux enfants pour utiliser dans la salle où on travaille. Il y a plein d'instruments, plein de choses. Et je vois qu'est-ce qui démarre. C'est pas la même chose à chaque séance, ni selon les groupes d'enfants. Cette année-là, c'était l'arbre. Et je me suis dit, c'est pas un hasard si l'arbre vient. Là, pour moi, l'arbre, c'est aussi un symbole, c'est la vie. Donc je me suis dit, je peux sûrement guider pour aller vers la vie, pas seulement rester dans la tristesse de la mort avec l'arbre. Bon, c'était en automne, donc on a cherché comment on va représenter, mais l'arbre à l'automne, avant il était au printemps et à l'été, les fruits, etc. Et ensuite, les enfants ont pris des feuilles de dessin pour exprimer, parce que pour eux, c'est plus facile d'exprimer par des gestes, par des mouvements, par des dessins, avant de mettre des mots. Et l'arbre est parti. Il y avait un dessin d'un arbre, voilà, avec des maisons dessus, c'est ça. Cet arbre-là, vous voulez nous dire ? Je voulais donner une explication, c'est une petite fille qui a 8 ans, qui avait 8 ans, et son papa s'est suicidé dans un arbre. Donc c'est elle qui avait lancé le thème de l'arbre. Et ce n'était pas anodin. Quand un enfant dit quelque chose, c'est bien d'écouter. Ça a souvent rapport à quelque chose qui est personnel. Si ce n'est pas ça, ben, tant pis, on passe. Mais là, c'est important. Et elle a fait cet arbre avec... Donc elle a d'abord fait l'arbre avec les branches, en étant triste. Et petit à petit, elle a fait le village, donc sa maison. Elle a commencé par sa maison dans l'arbre, son école, les maisons des voisins, ensuite tout le village. Et là, elle a pu parler en disant, eh ben maintenant, elle a fait des pas sur le tronc d'arbre. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a dessiné des pas. Je peux grimper dans l'arbre pour aller... J'ai oublié de dire qu'elle voulait se suicider pour retrouver son papa. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent se suicider, que vous traitez, que vous soignez. Voilà, et on ne sait jamais, évidemment, est-ce que c'est une vraie idée de suicide ou est-ce que c'est simplement, elle avait envie de communiquer avec son papa. Donc, en faisant le dessin, au moment où elle a pris le temps de dessiner l'arbre, sa maison, son école, dans les branches de l'arbre, elle s'est apaisée. Et là, elle a dit, ah bon, mon papa, il est là-haut, il est là-bas, mais pour moi, il est dans l'arbre, il est toujours dans l'arbre, je peux aller dans l'arbre. Je peux prendre le dessin et je parle avec mon papa et je le garde dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, elle va bien. Eu envie de... Ouais, c'est formidable. Hein. Merci beaucoup, Blandine. Merci. Ouais. Très importantes les thérapies pour les enfants et pour les aider à surmonter les deuils. On parle de la mort, on parle de l'au-delà, mais aussi le deuil, qui est quelque chose d'assez difficile à surmonter. Nous vivons des périodes compliquées et ce qui a aussi fait, on va dire, qui a accentué notre peur de vivre, peur de l'insécurité, peur de sortir, peur de mourir dans la rue, parce qu'on sait qu'un jour on va mourir, mais là, peut-être que cette peur nous ramène aussi à ce danger imminent. Alors la question, c'est de savoir aussi, outre le fait d'être angoissé par ce danger imminent, comment on peut apprendre à regérer tout ça ? Ça sert à quoi d'être en insécurité ? Vous savez, je pense souvent à mes parents. Je pense toujours, quand on vit des situations comme celle-là, où on se dit, est-ce que je vais rentrer vivant à la maison ? C'est ce qui s'est passé pendant des mois. On ne savait pas si on allait s'en sortir. Je pense toujours à mes parents, à mes grands-parents qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des situations. Je me dis, quand je leur parlais, quand je leur posais des questions, bah, ils étaient courageux. Alors le courage, c'est pas évidemment ne pas avoir peur, c'est d'être capable d'aller au-delà de la peur. Et qu'est-ce que c'est de vivre des moments justement fabuleux ? C'est d'être capable d'apprécier chaque instant. Ce danger, en fin de compte, on finit par l'oublier. Parce qu'on sait que cet instant ne reviendra pas et qu'il est très, très précieux. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. J'étais toujours... Il fut un temps où je projetais beaucoup de choses. Je ne projette plus rien. Vous voyez, ce rendez-vous de ce soir, je l'ai projeté depuis quelques mois, mais je ne projette plus rien. J'ai arrêté de projeter des choses. Je sais que maintenant, ce qui est essentiel, on parlait tout à l'heure de l'accélération du temps, de revenir à l'essentiel de sa vie, ce qui est essentiel, c'est tous les instants que l'on vit, tous les jours quand on sort, mais ne pas se dire
j'ai peur de ne pas rentrer chez moi. C'est de se dire, mon Dieu, ce que c'est bien quand je suis vivant. C'est-à-dire d'inverser. Ça ne change rien. Ça n'accentue pas la peur, ça n'accentue pas le danger. C'est juste de prendre conscience, mon Dieu, ce que c'est bien de vivre. Et c'est aussi, peut-être, et les messages de l'au-delà nous le disent toujours, vous savez, à chaque fois que je reçois un message pour quelqu'un, ou que je reçois un message pour moi, ou un témoignage, c'est aimez-vous. Pourquoi vous n'aimez pas? Pourquoi vous n'aimez pas plus? Aime. Mais oui, on aime, merci, on aime bien, oui. Non, ils disent aime. Et j'ai compris, très souvent, je trouvais ça ennuyeux, les messages de l'au-delà. Je te disais, au bout d'un moment, j'ai toujours la même chose, il faut de l'amour, il faut de l'amour. Oui, d'accord, mais alors, mais comment on fait? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Et dites-nous comment on doit faire. Parce que nous, on a besoin, on est pragmatiques, on a besoin de choses concrètes. Ils disent non, il faut aimer, et l'amour, l'amour. Et j'ai compris que ce qui était dit, c'est pas des grandes, des grandes envolées lyriques, ni l'amour fou, c'est pas ça. Ce qu'on nous demande, c'est d'aimer à chaque pas, c'est d'être authentique. C'est de regarder l'autre quand on est dans un bus, quand on est à l'arrêt de bus, quand on est au cinéma, c'est de sortir, de dire bonsoir, de faire un sourire, d'aimer. Il demande rien que ça, pas plus. C'est pas d'être, avoir des grandes missions. Souvent on me dit, moi je viens sur Terre, on m'a dit que j'avais une mission. Bah, je dis oui, c'est de vivre. Déjà. Voilà. Oui, mais je voudrais savoir quelle est ma mission, parce qu'on m'a dit que j'avais une mission. Bah oui. Voilà, bah, ça y est, vous êtes en train de la faire. Bravo, mission accomplie. Votre mission, c'est de vivre. Votre mission, c'est de parler à l'autre. Votre mission, c'est d'être gentil. Votre mission, c'est d'avoir un peu de compassion. C'est de se mettre dans la peau tout le temps de l'autre. Se mettre dans la peau de l'autre. Pas facile, hein. Surtout en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, on s'y met de moins en moins dans la peau de l'autre. Hein. Ben c'est ça ce qu'ils nous disent. Moi, je ne comprenais pas. Un jour, je reçois un message en disant « Tu n'aimes pas assez. » « Ah bon ? » ?»« Mais je vais que ça. » »« Mais non, tu n'aimes pas assez. » Et je dis « Mais dites-moi ce que je n'aime, parce que je ne fais pas de bien. » Elle me dit « Tu n'es pas assez dans le sourire. » Oh, c'est vrai que je tirais un peu la gueule en partant au travail le matin. C'est vrai. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte que le sourire, ne serait-ce que d'être souriant, c'est, on a, quand on fait la gueule, on est comme ça. Le sourire, c'est dur, on n'est plus habitué. Puis au bout d'un moment, on dit, ah, ça vient tout seul. Et on se rend compte que sourire, ça fait du bien à tout le monde. Et bien les messages qu'on reçoit, ce n'est pas les grandes missions, c'est juste d'aimer, de regarder l'autre, et puis d'être gentil. Ce n'est pas compliqué, en fait. Nous, on attend toujours des missions. On me dit, ouais, moi, on m'a dit qu'il fallait aimer. Je crois que je suis passeuse d'âme. Ah oui, vous faites quoi? Je ne sais pas, justement, je suis venue vous le demander. Qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Ah oui, il y a ça aussi. On m'a dit que j'étais passeuse d'âme. Alors, je voudrais savoir comment on fait. Parce qu'on vous le dit, mais on ne vous dit pas comment on fait. Ou alors, on m'a dit que j'étais médium, mais je ne sens rien. C'est donc que vous n'êtes pas médium. Pourtant, on me l'a dit, hein, je l'ai payé cher. Hein. Elle me l'a dit. Hein. Si vous ne sentez rien, vous n'êtes pas médium. Il n'y a pas des leçons. On n'est pas médium en 40 leçons. Ça se saurait. La médiumnité pour les nuls. Non. Je vous assure que quand on est médium, on le sait tout de suite. Parce que ça vient à vous tout de suite. Parce que vous retournez, il y a un type là qui n'est pas censé être là et qui est là. Et qui vous regarde et qui vous parle sans ouvrir la bouche. Et là, vous dites, il y a un truc. Donc, passeuse d'âme, mission, médium, truc-muche, on vire tout ça. Hein. On reste ancré. Vous savez, moi, je viens de ma terre du Berry, je suis bien ancré là-bas. Si j'étais perché, je ne serais pas là ce soir et vous non plus. Parce qu'il y en a suffisamment comme ça pour éviter de venir en voir encore d'autres. Non. On est médium, on le sait tout de suite. On n'est pas passeur d'âme. Alors, je ne sais pas, maintenant, c'est la mode d'être passeur d'âme. C'est comme les enfants indigo. Autrefois, on disait, c'est un enfant indigo, un enfant indigo, un enfant indigo. Il y avait toutes les couleurs. Et puis, je me suis intéressée à quelques enfants indigo qu'on avait dénommés indigo. Et les pauvres garçons, ils sont au chaume-dû, comme tout le monde. Ils disent, oh, non, moi, j'étais indigo pourtant. Je m'emmerde. C'est pas ça.
Vous savez, tout ce qu'on lit dans les trucs ésotériques, tous les trucs qui viennent des États-Unis, du New Age et tout, méfiez-vous, c'est quand même beaucoup de blabla, beaucoup de commerce et pas beaucoup d'effets, en fait. Donc, si on vous dit que vous êtes médium, eh bien, attendez de l'être pour avoir la preuve, déjà. Arrêtez de croire... ou les gens qui vous disent aussi, ah oui, ça c'est formidable. Je viens vous voir parce qu'il paraît que j'ai 3 entités sur moi. J'aurai mon père, ma grand-mère et puis mon grand-père. Je suis lourd à porter tout ça haut. Sur les épaules ou sur la tête, vous les portez là? Non, mais on m'a dit qu'ils étaient là et ils sont sur moi, il faut les enlever. Est-ce que vous croyez que votre père, votre grand-père, votre grand-mère vont se coller sur votre tête toute votre vie? Pyramidal, hop! Est-ce que vous croyez ces choses-là? Mais c'est dingue! Moi, je ne sais pas comment on peut dire ça à quelqu'un. Moi, je ne sais pas comment on peut dire ces choses-là à quelqu'un. Et les gens ressortent angoissés. Oh, j'ose plus bouger, j'ai ma grand-mère sur la tête! Mais c'est dingue! Alors que, tout simplement, on a ressenti des énergies, on a ressenti des choses, on dit... Ah, je sens quelque chose dans votre grand-mère. Ah, puis il y a le père aussi. Non, c'est pas comme ça. On ressent des connexions. On ressent aussi la tristesse des pertes. Souvent, quand un magnétiseur passe sa main, il dit oh, « Je ressens, il y a votre grand-mère qui est là. » Non, c'est pas la grand-mère. Il ressent le manque de votre grand-mère. Parce que le manque et votre chagrin, il est inscrit là. Quand je passe la main là, je sens le manque des gens. La grand-mère, le grand-père, tous les chagrins sont inscrits. Mais c'est pas eux qui sont empilés. Mais vous voyez, ce qui me dérange beaucoup, c'est aujourd'hui, quand on dit médium, c'est une bêtise ahurissante. Et je le dis, j'ai pas honte de le dire, je vais me faire conspuer, mais je m'en fous. Quand on me dit, vous êtes médium, je peux vous voir, parce que j'ai besoin d'un retour d'affection. Je dis, mais comment vous pouvez me demander ça? D'abord, je suis pas voyante. Médium, c'est juste être en capacité de communiquer avec autre chose, un au-delà où il y a des défunts. Mais... aujourd'hui, on vous demande des tonnes de choses qui n'ont rien à voir. Il y a une confusion totale. On me confond avec Madame Irma. On me demande des retours d'affection, du maraboutage, des trucs incroyables. Je suis ahurie de ce qu'on peut me demander. C'est pas ça. Les médiums sont des gens qui ont une hypersensibilité, comme vous avez sans doute, et qui ont cette capacité de temps en temps être, pour certains, être en connexion avec quelque chose qui va s'exprimer. Mais attention, qui ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'encore, faut-il que l'entité soit intelligente et qu'elle s'exprime correctement et qu'elle ne vous dise pas des bêtises. Parce que n'importe qui peut recevoir n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est crédible. Il faut être exigeant. La médiumnité est un chemin d'exigence. C'est-à-dire que quand on reçoit quelque chose, c'est mais encore. Mais encore. Allez, je vous reprends un tout petit exemple. Est-ce que j'ai un tout petit peu de temps? Oui, Sophie. L'histoire Napoléon. J'y reviens, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas pu tout raconter dans le livre, parce que ça ne m'appartenait pas et parce que j'étais assez embêtée de ne pas pouvoir tout dire. Quand j'ai écrit que j'avais été en contact avec Napoléon, bien sûr, on aurait pu mettre un entonnoir sur la tête et m'enfermer dans un asile psychiatrique, et ça aurait été tout à fait sain de le faire. Mais ce n'était pas ça. Quand j'étais en contact avec cette entité qui se disait être Napoléon, qui m'a parlé d'une façon qui ne pouvait être que lui, il ne m'a pas dit « j'ai des choses à te dire ». Pourquoi Napoléon voudrait parler à Patricia Daré? Il n'a rien à lui dire. Évidemment, on n'a pas grand-chose qui nous lie. Il a voulu parler à sa descendance. Ce n'est pas moi qui voulais parler. C'était des gens de sa famille. Quand je suis allée chercher les gens de la famille Bonaparte, et croyez-moi, il faut mettre son ego dans sa poche, parce qu'on se sent bien ridicule. Bonjour, c'est votre grand-oncle, il a un message pour vous. Vous imaginez? Bonjour Excellence, bonjour Princesse. Oui, non, il a un message pour vous, il a un truc à vous dire, il faut venir tout de suite. Vous imaginez un peu la Daré qui était si prétentieuse, pleine d'ego et tout, comme elle a dû se... Hein, il a fallu quand même que je sois mise à l'épreuve. Ça ne s'est pas passé comme ça, ça je ne l'ai pas dit dans le livre. Ils sont venus me voir. Ils ont parlé avec l'ancêtre. Mais l'ancêtre, quand il a voulu s'exprimer vers sa descendance, il m'a dit, mais tu ne vas pas écouter ce que j'ai à dire. Je ne vois pas comment je peux faire autrement. Mais je ne veux pas que tu entendes, c'est personnel. Je lui ai dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne vois pas le... Il m'a dit, c'est très simple. Je vais parler par ta bouche et toi, tu vas
dormir, tu vas disparaître. Ça s'appelle la transe. Moi, je n'avais jamais vécu ça. Et je n'étais pas capable, je ne pensais pas être capable de la vivre. Et ça s'est passé comme ça. Donc, napo, pour les intimes. On finissait par être intime, ça a duré 6 mois, vous savez, après. Et a pris une place où il s'est exprimé devant le prince et la princesse Bonaparte. Et moi, c'est-à-dire quand je me suis réveillée, au bout d'une heure et quart, je ne savais pas ce qui avait été dit. J'ai dormi. On se réveille vaseux quand on est en transe, c'est-à-dire que l'autre parle. Alors vous revenez, vous ne savez plus comment vous vous appelez, on est vaseux, on ne sait pas ce qui s'est passé, on comate pendant quelques heures. Et là, on m'a dit, c'est incroyable, c'est lui, on a la preuve, parce qu'il a donné des preuves. Mais ça ne s'est pas arrêté là, pour vous dire, l'exigence, c'est qu'on m'a dit, il faut être sûr que ce soit lui, donc on va envoyer un historien spécialiste de Napoléon, qui va parler avec l'empereur, et qui va lui demander toutes les stratégies de bataille. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a fait ça? Austerlitz, Waterloo, tout, tout, tout. D'accord. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à faire, sinon dormir. Donc, ça se fait. Et ça s'est passé. Donc, Bruno Roy-Henri, c'était l'historien en question, est venu. Et il a interviewé l'empereur pendant... je le dis parce que même à l'époque, j'avais quelques soucis à le formaliser, à le verbaliser. Et il a interviewé ce Napoléon qui lui a répondu absolument toutes les choses justes connues des historiens sur les batailles, les stratégies. Il a expliqué Grouchy, Blücher, pourquoi les dragons sont rentrés en dernier, pourquoi des choses qui me dépassent complètement. Et quand je suis revenue à moi, l'historien face à moi était en larmes et me dit « J'ai parlé à l'empereur ». Je me souviendrai toujours. Parce que, vous savez, c'est très marquant. Mais, attention, c'est là qu'il faut faire très attention. Pendant 6 mois, je vous passe... Napoléon, en fin de compte, voulait qu'on reconnaisse qu'il n'était pas aux Invalides. Il voulait qu'on fasse ouvrir le tombeau. Donc, qu'a fait le prince Napoléon? Il a fait un recours administratif pour faire ouvrir le tombeau des Invalides. Puis, ça s'est passé devant M. de Villepin, M. Estrosi. Bref, j'en passais des meilleurs. Il y a eu beaucoup de choses. Ça, je ne le raconte pas. Mais ça s'est passé. Mais pour vous dire que quand on est médium, qu'on vit ça, il y a un moment où c'est tellement fort ou tellement haut, tellement perché, que entre ça, aller faire ses courses au supermarché, aller travailler, rentrer, recommencer à être Napoléon, aller faire ses courses au supermarché, il faut être extrêmement équilibré, parce qu'il y a de quoi péter un câble et ne plus revenir jamais. Et un soir, je suis toujours avec Napoléon à l'époque, nous sommes en train de discuter, et je prenais des messages, parce qu'il m'envoyait des messages, et quand je ne répondais pas, il faisait sonner le téléphone, je le débranchais, le téléphone sonnait toujours, le prince Napoléon m'appelait en me disant « mon téléphone sonne aussi, tout sonne partout, ça faisait sonner tous les téléphones, enfin c'est un truc de fou, mais un truc de fou ». Et un soir, cette entité me dit « je veux parler à un homme, est-ce qu'il y a un homme dans cette maison ?» Mon mari était encore en vie à cette époque-là, et je dis « oui, il y a mon mari ». Il me dit « je veux parler à ton mari ». Et donc je descends et je vais voir mon mari, je lui dis « excuse-moi, il y a Napoléon qui a 2 mois de dire ». Et il me dit « ça tombe très bien, je viens de finir de raccrocher avec la reine d'Angleterre ». Mais je vous assure que c'est la vérité. C'est pour ça, vous savez, il y a des moments, même moi, quand je me couche le soir, je me dis « c'est pas possible ». Mais je le dis tout haut, je me dis « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Pour ça, quand des médiums me disent « mais c'est tout à fait normal ». Mais non, c'est pas normal. Comment peut-on accepter, quand on est rationnel et cartésien, des choses aussi impossibles et de voir qu'elles sont possibles? Moi, ça m'émerveille, puis ça m'inquiète, et puis je me dis, il faut vraiment que je reste bien ancrée. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que c'est pas mon métier, c'est pour ça que c'est pas un métier. Ça n'arrive pas tout le temps, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement exigeant. L'exigence, c'est exiger d'avoir des preuves. Exiger d'avoir un protocole, exiger de rester sur un chemin bien établi, exiger d'avoir des résultats. C'est pas juste de dire « Ah, j'ai parlé avec Napo, oh là là !» Ça, on s'en fout. C'est pourquoi je parle avec lui, qu'est-ce qu'il veut, ça va changer quoi dans la famille, et ça a changé beaucoup de choses chez eux, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça modifie en bien. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
C'est ça, je voulais vous mettre en garde. Les petites écritures automatiques en disant « Je suis l'archange Raphaël, tu es un ange aussi et je t'aime beaucoup. » Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on a l'inconscient aussi. Le fameux Carpenter qui disait que nous avions des effets idéomoteurs, c'est-à-dire que notre inconscient nous parle de temps en temps et nous rassure. Savoir faire la distinguo entre l'inconscient et ce qui peut vous balancer, même si vous n'en êtes pas conscient, bien sûr c'est l'inconscient, et puis l'au-delà, et apprendre à faire le distinguo et surtout avoir les preuves. S'il n'y a pas de preuves, ça ne vaut rien. Attendez mes amis et parlons de nos jours heureux. Attendez, parlons d'elle pour qu'elle soit parmi nous un peu. Elle a fermé les yeux à jamais, c'est déjà la fin. C'est la fin de ma vie et pourtant le printemps. Je vais la retrouver dans mes rêves la nuit. Parfois, elle m'appelle, et je sais qu'elle a besoin de moi. Attendez, mes amis, j'ai tant besoin de vous ce soir. Attendez, je voudrais vous parler d'elle encore ce soir. J'ai si mal et je l'aime et je crois la revoir partout. Attendez, ne partez pas encore, je n'ai plus que vous. Je n'avais qu'elle au monde, elle me quitte déjà. Je vais la retrouver dans mes rêves la nuit. Parfois, elle m'appelle. Elle m'appelle. Et je sais qu'elle a besoin de moi. Attendez, mes amis, j'ai tant besoin de vous ce soir. Attendez, je voudrais vous parler d'elle encore ce soir. J'ai si mal et je l'aime et je crois la revoir partout. Attendez, ne partez pas encore, je n'ai plus que vous. L'heure est venue aux questions. Je vais répondre. Alors, je crois que les questions avaient été consignées dans une petite boîte. Je pense que parmi vous, il y a pas mal de monde qui a posé une question. Donc, maintenant, on va y répondre. Mais comme on va éviter les micros, etc., je vais... Vous savez, là-haut, je ne vous vois pas, mais je vous sens. Hein. C'est vous, je vous vois quand même. Si. Je ne vous ai pas beaucoup regardé, mais vous êtes avec moi quand même. Parce que je vous... Voilà, c'est sur les lumières, mais je sais que vous êtes là. Bon, alors, je vais tirer les questions au sort. Non, je vais quand même... Pratiquement, ils répondent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 200. Ça va. Encore une autre. Bon, alors. Est-ce que Anne-Françoise de la Chapelle-sur-Coise est là? Ah ben non, ils ne vont pas se désigner. Vous avez peur. Non, je ne vais pas demander de monter sur scène, juste pour savoir si vous êtes là. Vous êtes là, Anne-Françoise? Ah, très bien. Alors... D'après votre expérience, comment percevez-vous l'organisation de l'au-delà? Avez-vous une idée de différentes étapes suivies par la conscience après le décès? Ah, ça, c'est la grande question. Organisation. Alors, c'est vrai que vous dites le mot organisation.
j'ai la sensation qu'il y a vraiment une organisation. C'est vrai. Moi, je dis, je ne parle pas des anges et des choses comme ça. Vous savez, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas croyante. Oui, je ne suis pas croyante. Donc, moi, c'est très rationnel. Moi, mon au-delà, il est extrêmement cartésien. Moi, je pars du principe qu'il y a des gars qui sont de l'autre côté. Et je sens une organisation extrêmement hiérarchisée. Pas dans le pouvoir, quand j'ai hiérarchie. Pas la hiérarchie de pouvoir avec le chef, les sous-chefs, les sous-sous-chefs. C'est des hiérarchies de degré de connaissance. C'est-à-dire que j'ai la sensation, de temps en autre, qu'il y a des gens qui s'adressent à moi. Des gens, je vous appelle les gens, parce que je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est des gens comme nous, qui sont missionnés. Alors là, on parle de mission encore, mais eux, ils ont une véritable mission. Pour renseigner, mais qu'ils n'ont pas tous la même capacité de renseignement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous le même degré de savoir. Il y a une organisation et elle est bien définie avec ceux qui interviennent, ceux qui n'interviennent pas, alors ce qu'on appelle les anges gardiens. Théoriquement, on a autour de soi 7 personnes. Je les appelle les personnes, je pourrais vous dire 7 anges ou 7 gardiens. Cette entité qui nous protège. Chacun a son rôle bien défini. Il y a le fameux ange gardien, qui peut être quelqu'un de votre famille, mais qui peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a un rôle extrêmement compliqué, c'est d'éviter que nous tombions dans les pièges, éviter que nous vivions des choses qui ne sont pas prévues dans notre parcours de vie. Oui, je vous explique. En fait, c'est comme si, avant de naître, nous projetons notre parcours de vie. Moi, je dis, par exemple, je vais revenir, je vais rentrer dans cette famille d'arrêt, là. Je vais grandir avec eux. Je ne sais pas si je les connaissais avant, je sais que j'en connaissais 2-3 membres de ma famille. On ne connaît pas forcément les gens chez qui on va. Quelquefois, on les connaît tous, quelquefois, on n'en connaît que 2. Tout dépend ce qu'on veut en faire. Et quelquefois, on va dans des familles... chez les gens qu'on aime, mais chez les gens aussi qu'on déteste. On a quelquefois des problèmes à régler. Et notre vie consiste à grandir dans des milieux pas idéaux, qui nous permettent d'acquérir les informations dont on a besoin pour continuer. On vient chercher des infos ici. Et le système culturel, le système que nous avons choisi, dans lequel nous avons choisi d'évoluer, nous permet d'obtenir des informations dont nous avons besoin. Je ne parle pas de bien, de mal, je pense effectivement aux enfants de la guerre, aux enfants faméliques. Effectivement, il n'y a pas de logique de bien et de mal, il n'y a pas de logique de punition, etc. C'est un choix. Il ne nous appartient pas de savoir pourquoi on choisit ça. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Et donc, on choisit avec plusieurs possibilités d'avenir. On choisit plusieurs possibilités de mort et on active notre avenir au fur et à mesure que nous vivons. Plan A, plan B, plan C, on active au fur et à mesure. Donc il n'y a pas vraiment de déterminisme. Il n'y a pas vraiment de déterminisme. Il y a les choses que l'on active parce qu'on va en avoir besoin. Donc il y a une vraie organisation autour de ça. On choisit et on nous remet sur le chemin. Quand j'ai été alpaguée en 1995, cette nuit-là, quand j'ai dit, mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me parlez? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quel est cet au-delà qui me parle? Mais moi, je n'y crois même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on me dit dans le message, mais c'est comme prévu. Tu sais bien, c'était prévu. Ah bon? Mais par qui? Pas par moi? Mais si, c'était prévu et on arrive parce qu'apparemment, tu ne t'es pas réveillé assez tôt. Enfin, si on te laissait faire, tu n'aurais pas fait ce que tu avais à faire. Donc, on est obligé de te forcer la main. Parce que de temps en temps, quand on ne vit pas notre destin, ou quand on s'en écarte, on nous repousse sur la route. Alors on nous repousse gentiment, puis quelquefois on nous repousse assez brutalement. Et on nous arrête assez brutalement aussi. Donc il faut comprendre que tout ça a une logique, mais si vous me dites à quoi ça sert, je suis incapable de vous le dire, parce que je crois que ça ne nous appartient pas de le comprendre ici. Je pense que ça se comprend après. Les gens qui font des NDE le savent. À quoi sert leur vie après le temps de passer de l'autre côté de la conscience, on comprend le sens. Mais il y a une vraie organisation et cette conscience, elle est multiple,
elle est incroyable. Je parlais des NDE, on est capable de d'aller loin de son corps, on est capable de vivre dans les couloirs, pas les couloirs de la mort, parce que ça rappelle un peu. On est capable de vivre aux frontières de la mort, de tout comprendre, de faire des voyages incroyables, de sortir du corps. On ne comprend pas tout néanmoins. On sait juste qu'on est immortel et on sait juste qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est. On dépend d'une organisation. On en fait partie. On en est une partie. Maintenant, vouloir tout expliquer ici, je crois que ce n'est pas le but. Comprendre de plus en plus ce que nous sommes, c'est le but, de s'ouvrir à ça. De comprendre absolument tout, ce n'est pas le but. Voilà, si j'ai pu répondre un peu à la question, mais on y reviendra de toute manière, parce que je crois que tout va tourner autour de ça maintenant. Alors, mes lunettes qui sont sales, je ne vois plus rien. Je suis à travers un rideau de pluie dans mes lunettes. Alors, accepteriez-vous d'entrer en contact avec mon papa pour qu'il vous adresse un message au sujet de ma maman ? C'est Sylvie qui me demande ça. Alors moi, Sylvie de Rieux-la-Pape, moi je veux bien, mais si votre papa y veut, parce que moi je ne rentre pas en contact, ce n'est pas moi qui décide. Encore une fois, ce sont les défunts qui viennent me voir, moi je ne vais pas les trouver. On n'invoque pas les morts. On ne va pas dire, il y a quelqu'un, ce n'est pas comme ça. Ils viennent, ils disent, hé, hey, tu es là, est-ce que tu pourrais dire à ma fille, est-ce que tu pourrais dire à ma femme, mais moi je ne contacte personne. Donc si le papa de Sylvie veut venir me parler, il me parlera. Pour l'instant, personne ne me parle parce que je suis là. Mais ce n'est pas... C'est pour ça que quand les gens viennent me voir en disant « Je voudrais un contact, mais moi, je ne fais pas de contact. » Si vos défunts le font, s'ils arrivent, oui, mais ça peut très bien qu'il ne se passe rien. Parce que là-bas, ils ont des choses à faire. Ils ne sont pas toujours dispo, ils travaillent. Je vous disais, mon mari, par exemple, il est très loin, il ne peut plus communiquer. Il y a différentes étapes de conscience où on n'est pas dispo. Ils sont toujours avec nous. Ils sont liés. Toujours. C'est-à-dire que si on crie, ils entendent, mais ils ne peuvent pas forcément s'exprimer et ils ne peuvent pas forcément venir nous dire des mots. Moi, il y a des gens de ma famille, je ne peux pas communiquer avec eux, d'ailleurs, je n'ai pas eu, depuis qu'ils sont décédés, parce qu'ils sont partis, ils sont ailleurs, ils ont autre chose à faire. L'important pour eux, ce n'est pas que vous leur parliez. Ce qui est très compliqué pour eux, parce que ça les oblige à revenir, c'est que vous sachiez qu'ils sont là et que vous les reverrez. L'important pour eux, c'est que vous sachiez qu'ils sont vivants. Il n'y a rien de pire pour un mort que l'on considère comme mort. Lui dit, moi, je ne suis pas mort. La première chose qu'il me demande quand ils reviennent, quand je dis, vous avez un message pour votre famille, première chose qu'il dit, c'est, dites-leur que je ne suis pas mort. C'est toujours la première chose. Ils sont même surpris d'être vivants, ils disent, je ne suis pas mort, donc dites-leur qu'ils ne pensent pas que je suis mort. Après, parler, communiquer, c'est très compliqué. Et par les temps qui courent, avec le changement dont je vous ai parlé tout à l'heure, changement énergétique qui plombe, c'est très compliqué. C'est beaucoup moins facile en ce moment. Parce que, de l'autre côté, quand on ouvre des portes, il y a énormément de négativité aussi. À l'image d'ici, il y a une espèce de grande purge qui se fait de tous les côtés, où on est enfoui. Avant la lumière, il y a quand même pas mal de nuages à dégager. Mais je n'entre pas en contact, on entre en contact avec moi. Pour ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Sinon, je n'arrêterai pas de la journée. Bavarde comme je suis, vous pensez bien que... Après des files d'attente, j'arrêterai pas. Alors, oula, grosse question. Oula. Question courte. Oula là, elle fait au moins 10 lignes. Alors, cette question concerne. Alors, c'est Alexia de Paris qui doit être dans la salle. Vous êtes là, Alexia ? D'accord. Donc, votre frère, vous êtes très inquiète, il est atteint de troubles bipolaires. Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui sont bipolaires. Depuis près de 20 ans, cela doit lui curer la souffrance. Je voulais savoir s'il souffrait d'infiltration et dans quelle mesure il était possible de l'aider pour qu'il puisse retrouver une vie normale. Vers qui dois-je me tourner ? Ça, c'est, alors ça, la bipolarité, c'est quelque chose de très compliqué. Il y en a de plus en plus. De plus en plus de troubles bipolaires où les gens se dédoublent. On a l'impression qu'ils ne sont plus eux-mêmes. D'un instant à l'autre, ils sont en phase excitée, excitation... importante, et puis abattement, et puis excitation, méconnaissable. J'avais un beau-frère qui était comme ça, et c'était assez terrible à vivre. Il n'y a pas d'infiltration chez les bipolaires, généralement. C'est juste ce qu'on appelle les maniaco-dépressifs qui est dû, c'est souvent dû au changement énergétique que l'on vit, en fait. Tout ce que je vous expliquais en début de soirée, c'est ça qui crée des troubles bipolaires. C'est pour ça qu'on a énormément de burn-out et de bipolaires. Avec ce côté maniaco-dépressif, il y a un jour, on a l'impression qu'on va bouffer le monde entier, et le lendemain, on n'est plus que l'ombre de soi-même. Et on a l'impression qu'on est double.
Ça crée comme un côté schizoïde, mais qui n'est pas dû à une infiltration. Et la, ben, les bipolaires sont soignés maintenant assez bien par la médecine, parce que le paranormal ne soigne pas. La bipolarité, c'est quelque chose qui est vraiment physique et psychologique, et pas du tout paranormal. En revanche, une infiltration et ne se concrétise pas comme ça. Une infiltration, ce n'est pas du tout ces troubles-là. L'infiltration, c'est beaucoup plus sournois. C'est d'abord une perte énergétique très très forte, mais ce n'est pas forcément une déprime. C'est une perte énergétique et l'impression de n'être pas dans ses godasses. Mais ça ne veut pas dire qu'on change d'humeur. La bipolarité, c'est vraiment un changement d'humeur permanent, des basculements dans l'excitation et dans le... Donc, moi, la bipolarité, je ne peux pas la soigner et le paranormal ne soigne pas. Par contre, c'est, maintenant, je pense qu'il y a des choses qui existent pour vraiment réguler l'humeur. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Enfin, je ne suis pas bipolaire. Enfin, je ne pense pas. Mais on est de plus en plus nombreux à être dans ce cas. Et c'est dû au phénomène énergétique. Hein, parce que les phénomènes de sommeil morcelé, de troubles, d'hyperventilation, à force, ça tape vraiment sur l'humeur. Hein. Et on est vraiment déphasé, on est déphasé, mais il faut tenir la route, il faut s'accrocher au bastingage, hein. On n'a pas fini le trajet, donc il ne faut pas se décourager. Il faut se faire aider, il ne faut pas se décourager. Tout ça, c'est, à part les bipolaires qui souffrent de cette maladie depuis très très longtemps, c'est une maladie. Hein. Généralement, on est tous dans des passages assez difficiles en ce moment, de déprime, mais ça va passer, il faut s'accrocher. Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se laisser abattre surtout. Il faut garder un peu la niaque. Faut pas, ce serait trop facile. On est là pour vivre autre chose. Alors, question de Catherine de la Verpillière. Salut Catherine. Êtes-vous là? Oui. Est-ce qu'un homme tué par mort violente est toujours parmi nous? Nous côtoie-t-il sans que nous le sachions? Ou est-il parti en paix? Merci beaucoup, c'est important pour notre famille. Alors, tout dépend... Il n'y a pas de loi. Mort violente ou pas, il n'y a pas de loi. C'est comme tout. Ça dépend de l'être. Il y a des gens qui sont morts de mort violente, qui sont en paix immédiatement, qui sont tout de suite en paix, qui sont, allez, c'est classé. Pour eux, c'était, voilà, mort violente ou pas violente, la mort reste la mort. Donc, puis il y a des morts qui ne sont pas en paix, ou ce n'est pas tellement qu'ils ne sont pas en paix. Vous savez ce qui retient, ce n'est pas la mort violente qu'ils aient été tués ou autre. Ce n'est pas ça. Ou qu'ils se soient suicidés. C'est souvent ce que pense la famille qui les retient. Alors, je fais très attention à ce que je vais dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, alors vous encouragez les gens à se suicider. » C'est pas ça. Il y a des suicidés. Autrefois, l'Église disait que les suicidés étaient maudits, qu'ils erraient, etc. C'est faux, tout ça, évidemment. C'est pas vrai. Il y a des gens qui se suicident, et qui partent immédiatement dans la béatitude absolue et qui me disent « Oui, je me suis donné la mort parce que c'était prévu, parce que j'en avais marre. » Et puis d'autres qui errent, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix et toujours pas la réponse à leurs questions et qu'ils sont dans une obsession, ou soit parce que la famille leur fait peser le fait de s'être suicidé. Et ça, c'est très dur. C'est-à-dire, ils errent, ils disent « Ils ne m'ont pas pardonné. » Et c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un, quelle que soit la mort qu'il subisse, il faut l'alléger. N'en rajoutez pas. Que vous souffriez, c'est tout à fait normal. Mais n'en rajoutez pas sur la culpabilité. Parce que ça, c'est terrible. Comment il a osé faire ça? Pourquoi il a fait ça? S'il l'a fait, et croyez-moi, il faut beaucoup de courage pour le faire, s'il l'a fait, c'est qu'il avait ses raisons qui nous échappent. Il faut juste souhaiter la paix à ceux qui sont partis, pas autre chose. Et pour vivre en paix soi-même, il faut que les défunts soient en paix. Tant qu'un défunt n'est pas en paix, on n'est pas en paix. Et tant qu'on n'est pas en paix, il n'est pas en paix. Nous sommes extrêmement liés avec eux. Donc il faut savoir que plus vous les allégez, plus ils sont légers, plus vous serez légers. Plus vous serez lourds, plus ils seront lourds. C'est comme ça. C'est quand vous décidez de dire « Allez, sois heureux ». À la prochaine, sois bien, je t'aime, donne-moi des petits signes de temps en temps, et moi, mon chagrin, je m'en occupe et je vais faire en sorte que ça ne dure pas 30 ans, parce que je vais faire en sorte de vivre. Je vous assure que ça leur fait un bien, ça les booste, vous ne pouvez pas imaginer. C'est dur parce qu'on est là et on est plein
tristesse, on est plein de chagrin, on est plein de colère, on est plein de choses. Et la colère aussi, on est tout le temps en colère. De toute façon, on est tout le temps en colère. Je crois qu'on est en colère, on est toute notre vie, on est en colère. On est en colère quand les gens meurent, on est en colère certaines fois parce qu'ils naissent, on est en colère parce que voilà. Je crois qu'il faut arrêter avec tout ça, il faut qu'on se débarrasse de tout ce fardeau de sentiments et d'émotions négatives qui ne nous servent à rien, sinon on nous empoisonner la vie. Et puis, mort violente ou pas, je vous assure que souvent, leur état est lié au nôtre. Et que si on fait un effort pour essayer de... Alors, soit peut-être en communiquant, soit peut-être en regardant les signes, parce qu'ils nous donnent beaucoup de signes, on ne les voit pas toujours, mais ils en donnent beaucoup, alléger. Mais quelqu'un de mort violente peut trouver la paix immédiatement. Ce n'est pas lui qui choisit souvent de ne pas être en paix. C'est ce qu'on lui donne à porter. Donc il faut bien réfléchir à ça et puis voir comment on gère. Alors, réincarnation, pourquoi est-ce une obligation? C'est Isabelle de Lyon. Salut Isabelle. Salut Isabelle. Voilà. Réincarnation, pourquoi? Pas obligé, hein. Non, pas obligé du tout. Moi, je suis pas très branchée réincarnation. Enfin, on m'en parle pas beaucoup de ça. Probablement, puisque nous sommes là, nous sommes incarnés, donc on va probablement peut revenir, se réincarner. Mais il y a pas de cycle de réincarnation. Ça, c'est parce qu'on connaît que la Terre, alors on a l'impression que tout se passe ici. Mais ça se passe pas qu'ici, hein. Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits derrière. Ici, c'en est un qui est très difficile, parce que ici, si vous voulez, le problème, c'est qu'on vient tous mélanger. On est tous mélangés. On vient de différentes dimensions. Donc, on trouve des gens qui ne sont pas au même degré de compréhension, de compassion, d'empathie. On trouve des gens qui sont perdus, des gens qui sont hyper élevés spirituellement. On est tous mélangés. Mais justement, c'est plus intéressant, parce qu'il faut faire son chemin avec tous les modèles. Dans les autres dimensions... Il paraît qu'il n'y a pas tous les modèles, mais qu'on est plus par affinité, ce qui aussi est plus reposant. Mais réincarnation, oui, pas forcément. Ce n'est pas une obligation du tout, on peut aller ailleurs. Il y a plein d'endroits, plein de dimensions où les gens vont et ils n'ont pas envie de revenir. La plupart des défunts qui je demande, vous allez vous réincarner? Oh non, ça va, j'ai donné. Oh non, souvent. Alors ça peut se faire, mais... Tant que l'humanité sera encore présente sur Terre, pourquoi pas? Mais il y a d'autres moyens, parce qu'avant l'humanité, on n'est pas là depuis très longtemps, il y avait bien déjà ce qui est en nous, ça existait déjà. On n'est pas né simplement avec la matière. Eh bien, on trouvait d'autres moyens d'exister. Et puis d'un seul coup, il y a eu l'homme qui est venu, l'évolution a voulu que l'homme arrive. Et puis on a dit, tiens, on prendrait bien ça comme moteur. C'est rigolo. Finalement... On y revient, hein. On dit rigolo, faut le dire vite. Mais c'est vraiment passionnant, parce que justement, c'est compliqué. Mais non, effectivement, réincarnation, pas automatique, d'après ce que j'en sais. Hein. On continue ou vous l'arrêtez? Continue. Question de Christiane, j'ai l'impression d'être aux grosses têtes, dites donc. Question de Christiane, de Saint-Laurent de Chamousset. Alors là, je rigole beaucoup moins quand je vois la question. Christiane, vous êtes là? Alors Christiane, je peux lire votre question? Donc votre mari et votre fille se sont suicidés. Votre fille en octobre 2015, donc il y a tout récemment. Et vous voulez savoir s'ils peuvent être heureux dans l'au-delà malgré ce qu'ils ont fait. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure en fait. Hein. Et je peux vous dire que oui. Ils peuvent être heureux bien sûr et heureusement pour eux et heureusement pour vous. Soulagez-vous immédiatement de cette culpabilité. Sachez qu'ils peuvent être heureux et qu'ils le sont très certainement. Et qu'il ne faut plus porter cette culpabilité et ne plus exprimer cette damnation qu'on nous a fait peser sur les épaules pendant des années pour les gens qui se donnaient la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va tous se donner la mort parce qu'on n'a pas envie et qu'il faut vivre le plus possible parce que c'est quand même mieux d'aller jusqu'au bout du bout. Mais oui, soyez tranquille. Bien sûr, ne portez pas en plus la culpabilité de se dire « Mon Dieu, et s'ils sont malheureux tous les deux ?» Non. Au moins, ayez l'assurance que oui, ils ont trouvé la paix. Et ils l'ont bien mérité. Et vous aussi. Alors...
Autre question. Sarah de Lettra. Que peut-on penser des chasseurs de fantômes? Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Sont-ils tous des gens sérieux et fiables? Est-il dangereux pour un non-médium de participer à leur enquête, s'ils le permettent? Alors moi, ça me fait rire, les chasseurs de fantômes. Ah, ils me font mourir de rire. J'y regarde sur Internet, hein, j'adore ça. Parce que ça sert à rien. Oh, j'adore les trucs qui servent à rien, moi. J'en ai plein chez moi, des trucs qui servent à rien. Donc, bon, il faut d'abord avoir un bon enregistreur et une bonne GoPro. Et puis, il faut avoir une spirit box, une box spirit, je ne sais pas comment, un truc. Hein. Et on y va, alors. Ouais, t'as entendu, ouais. Attends, t'as entendu, là? Ouais. Esprit, si tu es là, est-ce que tu peux passer devant la caméra, s'il te plaît? Parce qu'il est comme ça. C'est comme ça. Alors, déjà, une maison hantée, j'ai vécu une aventure la semaine dernière qui n'était pas piquée des hannetons d'un château hanté, mais un vrai de vrai, hein, avec les portes qui claquent, les coups dans les murs, les trucs. J'imagine, esprit, tu es là, tu peux cogner à côté de ma caméra, s'il te plaît? Tu peux claquer la porte devant? Attends, on est en train de filmer, tu peux claquer la porte, là, s'il te plaît? Mais ça sert à quoi? À part déranger tout le monde, de nous foutre une pagaille pas possible et de se tirer quand tout est bien en pagaille. Parce que généralement, quand ils partent, c'est deux fois plus la pagaille qu'avant. Donc ça sert à rien. Et je le dis parce qu'ils m'amusent beaucoup, j'aime bien les regarder, moi, sur Internet, ils me font rire. Je trouve ça très mignon, parce qu'en plus, c'est des braves jeunes qui sont super sympas, qui essaient de faire des trucs. Ça se trouve, il y en a dans la salle, je vais me faire engueuler tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais ils sont sympas. Mais ça sert à rien, c'est se faire des frissons. C'est faire en vrai ce qu'on ferait en regardant un film d'horreur. Oh putain, j'ai entendu... Oula, j'ai entendu un bruit, là. C'est quoi ça? Ah, t'as entendu, là? Ah, j'ai entendu, moi. Ouais. Et ça peut durer comme ça une demi-heure. Et on n'entend rien, nous, hein, par contre. Ils entendent, mais nous, non, rien. Et donc, ça sert à rien. Mais c'est plutôt sympathique. C'est... Voilà, c'est dans... Voilà. C'est dans l'air du temps, et puis... voilà. Et puis... question de Patricia Dottis. Qu'est-ce qui pourrait indubitablement convaincre un incrédule? Merci de votre réponse. Eh bien, rien. Voilà, je vous le dis tout net, rien. Rien ne peut convaincre un incrédule. Rien. Parce que le mec, il dit, je suis incrédule, de toute façon. Bon, t'as vu. Ouais, non, mais ça n'existe pas, je suis incrédule. Hein. Oh non, j'y crois pas, moi. Non. Un incrédule, rien. Parce que le type, il arrive en disant, de toute façon, moi, j'y crois pas. Il comprend pas. Donc vous discutez, vous dites oui, mais là, ouais, non, mais ça, tout le temps, non, il n'y a rien à faire. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de convaincre, parce qu'on n'est pas là pour convaincre, on est là juste pour aider ceux qui vivent ça, et c'est déjà bien suffisant, je crois. Moi, je n'ai jamais essayé de convaincre personne, ce n'est pas mon but d'ailleurs, convaincre de quoi. Chacun est dans son truc. Moi, quand j'ai rencontré des scientifiques, il y avait des scientifiques ouverts, puis ceux qui sont complètement fermés, et puis ceux qui ne comprennent rien. Et on n'essaie pas de convaincre, on dit voilà, il y a ça. Comment pourrait le définir? Ouais, non, ça, c'est pas... Non. C'est pas avec des noms qu'on avance, on est bien d'accord. Moi, j'aime des esprits ouverts. C'est-à-dire, c'est pas de dire non, c'est de dire, ah oui, il y a un truc. Et ça, je l'ai trouvé dans Massimo Teodorani, qui est un éminent physicien italien qui travaille à la NASA. Et lui, il a pas dit, oh non, non. Il m'a dit, ah ouais? Ça m'intéresse. Je trouve ça très intelligent. Il n'y a rien de pire que les gens qui disent non, par peur, souvent. Parce que imaginer qu'il y a un au-delà, pour certaines personnes, c'est insupportable. Comment? Quoi? Avec tout ce que j'ai fait, il va falloir que je rende des comptes? Tu veux dire que je n'ai pas fini là? Il va falloir que je le retrouve derrière pour lui rendre des comptes? Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est des peurs, des superstitions, des trouilles d'enfance qui sont là et qui font que c'est non. C'est tellement plus pratique de dire non que d'envisager une éventualité. Mais c'est très limité aussi. On ne va pas très loin avec les incrédules. Parce que généralement, ils le sont avec l'au-delà, ils le sont avec tout. Hein. C'est ça le problème. Il faut toujours donc, convaincre non, discuter avec des esprits plus ouverts, oui. Parce que là, on arrive à des choses extraordinaires. Et même avec des scientifiques qui ont un esprit ouvert, on arrive à des conclusions et des équations extraordinaires. Mes lunettes sont tellement sales que je ne vois plus rien du tout. Alors, on y va. Colette de Maubec. Vous êtes là, Colette? Vous n'êtes pas là? Frappez deux coups. Salut Colette.
Alors, ah oui, non, excusez-moi Colette. Atteinte de polyarthrite, excusez-moi. Je voudrais savoir quel est le message que mon corps veut me transmettre. Oula. Alors tout dépend évidemment de comment, ça je ne peux pas vous répondre comme ça, parce que ça dépend de votre vécu, ça dépend depuis combien de temps vous avez la polyarthrite. Est-ce que la polyarthrite, forcément, le mal dit quelque chose hein, quand on commence à avoir, mais il y a tellement de gens qui en souffrent aujourd'hui, qu'il y a des crispations, je pense aussi qu'on est dans une société de crispations, on est en train de scléroser absolument tout, on se sclérose en fait dans cette vie. Vous savez, on se rigidifie, on est en résistance, alors on se sclérose, on est en apnée tout le temps. Et je pense que le corps, au bout d'un moment, il se sclérose aussi, on ne veut plus bouger, on ne veut plus rien faire. On dit, je ne veux plus, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. C'est un peu ça. On est sclérosé par cette vie, on ne s'ouvre pas, on n'est pas en... comme ça, on est par la force des choses. Je pense que souvent, les cas de polyarthrite que j'ai rencontrés, c'est ça, c'est des gens qui se sclérosent dans des attitudes, dans des résistances, dans une volonté de faire et qui va à contre-courant avec ce que la vie leur demande de faire. Ce n'est pas général ce que je dis, parce que ça voudrait dire un truc à l'emporte-pièce. Mais je dis souvent, le corps, effectivement, il déclenche des choses qui correspondent à ce que nous avons tenté de faire pendant des années. Mais il faudrait que je vous voie, Colette, pour le dire plus précisément. Mais votre corps, oui, il est en train d'exprimer quelque chose de fort. Je ne suis pas médecin, donc c'est un peu compliqué. Christina de Lyon. Salut Christina. Ah, j'aime bien aller. Allez. Comment sait-on que l'on est fait pour aider les âmes, que les bruits récurrents et autres manifestations ne sont pas le fruit de notre mental, voire de notre ego? Oh ben de l'ego, non. Alors ça, c'est pareil. Comment peut-on savoir qu'on peut aider les autres, les âmes? Ben, les âmes, on les aide, ça dépend. Quand on peut aider les âmes facilement, on a l'impression que c'est tout un protocole. Vous savez ce qu'elles disent, les âmes? Je vais vous dire, moi, ce qu'elles disent. D'ailleurs, je l'écris dans mon prochain bouquin, avec les expériences. Le prochain bouquin, ce sera sur les maisons et les châteaux hantés que je suis en train de faire avec des cas incroyables. Ce qu'elles disent, les âmes, souvent, c'est qu'elles manquent d'amour, vous savez. Si je vous répondais la réponse bête qui va vous paraître vraiment primaire, mais qui est vraie, c'est aimer. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimé. Quand... une âme vient vous faire de l'intimidation dans une maison, dans un château, quand elle vient vous terroriser, c'est pas qu'elle veut vous faire peur, à part les serial killers qui reviennent. De temps en temps, ils reviennent les serial killers aussi. Mais c'est parce qu'il manque d'amour. La base de tout, c'est le manque d'amour. Comment on peut aider? En aimant. Je vais vous répondre comme ils disent là-haut. Il faut aimer. Elle vous dit, mais comment je fais pour l'aimer? Être capable de compassion. De dire, je te comprends. Juste, je te comprends. Vous savez, le « je te comprends », celui qui fait du bien. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quelquefois, vous dites à des amis, « Ah, oh, il m'arrive un truc, oh, je ne suis pas bien. » Alors, il y a ceux qui disent, « Ah, mais tu ne devrais pas faire ça. Oh, ben, si j'étais à ta place, je ferais ça et ça. » Puis, il y a ceux qui vous disent, « Je te comprends. » C'est le truc qui vous fait un bien fou. Vous êtes compris. On vous comprend. Vous n'en demandez pas plus? Ben, eux non plus. La compréhension, la compassion... c'est souvent ce qui aide les âmes. Et puis, comment savoir que les bruits sont vrais? Eh bien, si vous êtes plusieurs à les entendre, ils sont vrais. Voilà. Les bruits récurrents, si vous êtes plusieurs à les entendre, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Je suis allée dans un château hanté la semaine dernière. Je vous assure qu'il y avait deux personnes agrippées à mon pull, comme ça, derrière. Les portes claquées, les coups dans les murs, les voix. On était comme ça, tous les trois. Et là, on ne se demandait pas si c'était vraiment notre ego ou notre mental, hein. Ça cognait fort. Alors, jusqu'à quel point nos vies antérieures ont une incidence sur nos vies actuelles, nos choix et nos désirs d'aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. Probablement, c'est lié. Je ne suis pas très vie antérieure, moi. Je trouve que ce qui est antérieur, c'est antérieur, on s'en fout. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que je fais maintenant. Et je trouve que d'aller tout le temps pêcher dans les vies antérieures, c'est un peu... L'incidence, oui, probablement, c'est lié, parce que toute notre existence est liée. Mais alors, il faut aller chercher quelle vie? Celle du début des temps, ou celle d'il y a 200 ans, ou celle d'il y a 300 ans? Oui, tout est lié. Nous sommes dans une progression. Nous sommes dans une progression. Donc, forcément, il y a une incidence. Forcément. Mais attention, dans ce qu'on fait, et dans nos tics, et dans les choses qui sont récurrentes chez nous, ça ne veut pas dire que ce sont des vies antérieures. Ce sont probablement aussi des souffrances qui appartiennent à nos ancêtres. On porte beaucoup de choses en soi qui appartiennent à nos ancêtres et pas à nos vies antérieures. Notre généalogie est inscrite en nous
Et souvent, on a des colères, non pas de nos vies antérieures, des colères de nos ancêtres. Des tics, des réflexes de nos ancêtres. Je vous dis ça parce que j'ai découvert il y a très très peu de temps que mon arrière-grand-père était mort au bagne à Cayenne. Il est mort parce qu'il a tué quelqu'un. J'ai découvert mon arrière-grand-père. Et je me disais, pourquoi je me mets dans des colères folles? Et du coup, ça m'a fait peur. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'en fait, on porte des choses. Et alors, vie antérieure ou ancêtre? Moi, je dis qu'on est beaucoup plus marqué par nos familles, nos ancêtres, que par nos vies antérieures. Vie antérieure, franchement, qu'est-ce que ça me fait, par exemple, de savoir si j'ai été crémière en Normandie au XVIIe siècle? Mais qu'est-ce que ça peut faire aujourd'hui, voilà? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'ai rencontré que tous les gens que j'ai rencontrés qui s'occupent des vies antérieures, ils ont tous été pharaons. Il n'y a pas eu tant de pharaons que ça, quand même. J'en ai compté déjà 150. Ça fait beaucoup, je trouve. Ah, ils sont tous Amenophis, Toutankhamon, j'ai été Toutankhamon, j'ai été Néfertiti. Ah, ils sont tous, hein. Ah, ils n'ont jamais été le pauvre gueux du Moyen-Âge qui est en train de se gratter sa gale, hein. Jamais. Jamais. Pour ça, je suis un peu dubitative sur les vies antérieures. Surtout sur les gens qui vous voient des vies antérieures tout le temps. Je sens que vous avez été, je vois que vous êtes... Non. Regardez plutôt ce que je vais être. Ça m'intéresse beaucoup plus que ce que j'ai été. Ce que j'ai été, c'est révolu. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vit maintenant. Tout ça, c'est un peu gadget, en fait, je trouve. Moi, je trouve. Alors, les adoptions sont-elles programmées? Si oui, l'âme choisit ses parents biologiques ou adoptifs? Ah, très bonne question de Catherine de Pringy. Salut, Catherine. Les adoptions sont-elles programmées? Je crois que oui, il n'y a rien qui soit le fait du hasard. Et je pense que l'âme choisit ses parents. Oui, absolument. J'en suis persuadée. Il y a une reconnaissance. Une reconnaissance pas subjective. Une reconnaissance inconsciente. On sait. L'enfant vous prend la main quand on va chercher un enfant, on sait. Ça ne veut pas dire que ça va être tout rose après. Mais ça veut dire qu'on sait qu'il va grandir par cette famille et on choisit. On choisit ses parents adoptifs comme on choisit ses parents biologiques. Quand on se retrouve orphelin, quand on se retrouve dans un orphelinat, il y a, comme les parents biologiques sont un peu effacés de la carte, il y a une volonté aussi. Tout ça, finalement, moi j'ai appris ça aussi, avant même de capter et d'avoir des messages là-dessus, c'était en astrologie. Je ne sais pas s'il y a des astrologues parmi vous. Pas beaucoup, hein, a priori. Eh bien, en astrologie... Tout ça, c'est inscrit. On sait que des choses sont inscrites. Donc moi, ça m'avait beaucoup surpris. C'est quand j'attendais mon fils et une amie astrologue me dit « je lui ferai son thème astral ». Et puis, on était obligé de me déclencher l'accouchement. Je suis en train de vous raconter ma vie, c'est pas très intéressant, mais c'est pour vous dire que je dis « oh zut, ça va tout troubler puisqu'ils vont déclencher l'accouchement ». Elle me dit « non, regarde, c'est là, c'est dans le thème déjà ». Le thème astral est parti en prenant compte de ça. Tout est inscrit. Donc oui, on choisit. Pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas. Mais je sais que rien n'est hasard. Et dans la vie, d'ailleurs, avec les enfants adoptifs, ou les parents adoptifs, on a des signes. On a des signes de reconnaissance. On a des signes de... On sait que ça devait se passer comme ça. Souvent. Oui, absolument. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Tout est soigneusement... Vous savez, le scénario, il est... Même quand il est cruel, hein. Ça ne veut pas dire que c'est rose. Même quand il est cruel, il est soigneusement concocté pour notre évolution, pour nous faire comprendre des choses. Continue. Monica de Caluire. Bonsoir, Monica. Selon vos contacts dans l'au-delà, quel événement majeur risque de survenir sur Terre en 2017 et comment doit-on s'y préparer? Ça, j'en sais rien. Alors ça, je ne sais pas du tout. L'élément majeur, à part Trump qui vient d'être élu, je ne vois pas d'autres... Pour moi, c'est la pire des catastrophes. Alors, on va attendre 2017. Oui, il y a des élections encore, mais à part ces catastrophes-là, non, je ne peux pas. Ça, c'est un truc que je ne peux pas vous dire, les catastrophes, etc. D'abord, je ne suis pas voyante. Et puis, ils ne le disent jamais, là-haut. Alors, quelqu'un peut lire dans des cartes ou avoir des visions, des prémonitions. Mais je vais vous dire, moi, j'avais dit en 2012, quand j'ai écrit le premier bouquin, j'avais dit, on est en train de descendre. Ça va continuer. Plusieurs années, on est en train de descendre. Et puis en 2013, on m'a dit, oui, mais c'est fini, là.
on a touché le fond. Ah, j'ai dit, non, on descend. Puis en 2014, on me dit, c'est bon, là, on a descendu quand même, là. Ah, j'ai dit, non, on va connaître pire. Et puis en 2015, en 2016, là, on me dit, mais c'est fini, là, on a touché le fond. Et je dis, non, on va encore un peu descendre, il faut s'accrocher. Donc, des événements majeurs, il y en aura. Pas forcément ce qu'on croit. La vie, c'est fait que d'événements majeurs, tout le temps. Et comme on est dans une période de transition et de transformation et de changement, on aura encore des événements majeurs. Mais je pense, très honnêtement, qu'à partir, je le dis, dans une sensation, j'avais dit que jusqu'en 2018, ça serait chaud. Je pense qu'à partir de 2018, on remonte légèrement la pente parce qu'on a touché un peu le fond. Et je pense qu'on va commencer à remonter la pente générale au niveau du mental, au niveau du moral et au niveau de ce qui va se passer. Je pense sincèrement. C'est ce que je ressens, moi. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Je ne prédis pas, parce que même le monde ne sait pas ce qui va se passer, puisqu'on peut toujours modifier. On peut toujours modifier les événements. Moi, je dis toujours, si Hitler n'avait pas été élu par le peuple, il ne serait pas passé ce qui s'est passé. Donc, c'est quand même les gens qui décident. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Donc, après, ça dépend de nous. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit toujours vigilant à ce qu'on fait, à nos actes, et qu'on réfléchisse beaucoup avant de faire les choses. Allez, on continue. Ça va, j'ai encore le temps, c'est ce qu'on me dit. D'accord, il faut que je conclue, là, j'ai plus le temps. Encore deux questions, une question. Je me fais engueuler, enfin, rien que de m'engueuler, la dame. Encore une question. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça, hop, au pif. Bon, je vais d'abord prendre celle d'Elisabeth. Elisabeth de Grangelet-Valence. Je n'arrive pas à être unifiée dans mon corps. Toujours en décalage entre le yin et le yang, malgré toutes les thérapies. Ça veut dire quoi, Elisabeth? Être unifiée dans votre corps, c'est-à-dire être en équilibre, en fait. Oui. Ben ça, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas du tout thérapeute, moi. Je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Je ne peux pas répondre, malgré le yin, le yang. Je ne m'y connais pas, en plus, dans les thérapies de ce genre, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc d'équilibre à trouver, enfin, à mon avis. Mais ça, je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est trop particulier. Et puis, vous savez, je pense que quand aucune thérapie ne parvient, c'est que quelque part, on refuse quelque chose. Donc, je crois qu'il y a peut-être un refus inconscient chez vous. Il faut bien savoir. Hein. Je vois souvent des gens qui viennent me dire « J'ai tout essayé. » Je dis « Ben non. » « Oui, mais vous avez tout essayé, mais vous refusez. » J'ai tout essayé, quand je donne une réponse, on me dit « Ah ben non, il faudrait donner des réponses qui conviennent. » Et souvent, c'est plus complexe que ça. Alors, c'est Céline de Grézieux-la-Varenne. Salut Céline. Et là Céline? Non? Parce que si elle n'est pas là, je ne pose pas la question. Si c'est nous qui choisissons notre vie lors de notre passage sur Terre, quel genre d'âme choisit de devenir assassin? Est-ce quelque chose qui se détermine une fois sur Terre ou déjà avant, cette âme sait-elle qu'elle tuera? Ou pourquoi le monde de l'invisible est-il invisible? Oh là là, mon Dieu! Pourquoi il ne s'ouvre qu'à certaines personnes? Et si nous savions, si nous gardions la mémoire avant d'arriver sur cette Terre? Alors, je vais vous dire, déjà, si le monde est invisible, c'est parce qu'on ne peut pas le voir et qu'il ne faut peut-être pas... Il faut déjà chercher à le voir. Après, est-ce qu'un assassin sait qu'il va devenir assassin? Il y en a qui naissent, oui. Je peux vous dire qu'il y en a qui naissent. Assassins déjà, pas parce que c'est des têtes d'assassins, c'est parce que dans leur âme, ils savent qu'ils ont quelque chose, qu'ils veulent faire quelque chose. Il y en a d'autres qui le sont accidentellement. Tout dépend du parcours de vie et de l'histoire de chacun. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas de généralité, nous vivons tous une histoire particulière et que chacune de nos histoires est fabuleuse, particulière, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit, même si elle est terrible, elle est particulière, unique, mystérieuse, et je conclurai de cette façon, c'est que nous sommes tous des êtres mystérieux, je vous l'ai dit, nous sommes tous capables de communiquer avec l'au-delà. Parmi vous ici, je suis sûre que tout le monde a eu au moins dans sa vie un phénomène paranormal, tout le monde sent des présences, tout le monde voit des signes, vous êtes tous des médiums, seulement il faut accepter, il faut arrêter de faire de la résistance contre
l'inéluctable. Il faut arrêter de faire de la résistance contre les choses qui s'imposent. Il faut faire taire l'esprit quand il devient psychorigide. Il faut laisser passer un peu plus de sensibilité et surtout un peu plus d'acceptation de ce qu'on est. À force de nous avoir dit, étant petit, toi, tu comprends pas grand-chose. Toi, tu feras pas grand-chose. Toi, je sais pas comment ce que tu vas faire de ta vie. On a cru qu'on était bon à rien souvent. Et en fait, on est des êtres uniques et merveilleux. On est tous reliés, toujours. Toutes les existences des uns dépendent de celles des autres, même si chaque univers est différent. Et je terminerai en disant ça, c'est que la vie, cette chose que vous vivez aujourd'hui, elle est éternelle. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Les gens que vous avez aimés, vous allez les retrouver. Vous recommencerez d'autres aventures avec eux. Vous choisirez vos compagnons. Ça sera comme ça tout le temps. Soyez assurés qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse vous séparer de ceux qui vous ont aimé de l'autre côté. C'est même prouvé maintenant dans la physique quantique. Moi, je voudrais vous remercier simplement d'être venus ici ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous, parce que vous êtes formidables et que j'ai vachement confiance en vous. Merci. Ne désespérez jamais de ce que vous êtes, de ce qui vous arrive, même les plus dures épreuves. L'homme est fait pour les surmonter. On les surmonte toujours. Il faut juste s'accrocher. Vous en êtes capables. On est tous capables de ça. Merci infiniment d'être venus ce soir. Vraiment. J'appelle tous ceux qui étaient là. Joris, tous ceux. On va faire comme chez Drucker. Venez. Bon, on va faire comme chez Drucker. On s'y croit un peu. Voilà, merci. Pour la belle chanson. Elle est partie, Blandine. Merci. Viens. Joris, viens avec moi. Viens dire au revoir à ces messieurs, dames. Au revoir et merci. Merci à vous tous. Vous êtes super. Et puis, je sais que on ne peut pas convaincre. Mais je vous demande de croire en ma parole, parce que, comme je vous disais au début, je ne suis pas vraiment perchée, je suis quelqu'un de très rationnel, et je vous assure qu'il faut avoir confiance. Gardez confiance, ne vous laissez pas abattre, parce que ça ne vaut pas le coup, parce que vous valez vraiment mieux que ça, quoi. Vous êtes formidables. Hein. Salut, hein.